Et ravale ta langue cette fois avant de sucer. En tout cas, pas mal les bzaises. Comment ça, pas mal les bzaises? Allez, cure, cure! Allez, rentre chez toi, les bzaises! Pense à le salam aux arabes qui essaient de nous rejoindre aussi, oui! Alors, super, c'est cool! Ta mère, c'est une putain de piste! Alors, lui, on l'a tapé! Comment il est trop moche! Piston! Ouais! Viens à côté de papa, viens à côté de papa! Ouais, j'arrive! Ça va, papa? La bise, hein, bise! Tu vois tous les gars derrière moi, piston? Ouais, je les vois, ouais! Ils font peur! Un peu, mais après, moi j'ai pas trop peur d'eux, hein. Un peu quand même. Ok, bon. Quelqu'un s'occupe de me le retourner. Style, tu t'en occupes. Ah, c'est un Mayan. Allez, lève-toi. C'est nul. Qu'est-ce oh là là, oui, c'est nul. Je faisais ce que j'avais à faire. Pourquoi j'entends faible? Je faisais ce que t'avais à faire. Pourquoi j'entends faible? Putain, tu t'es trompé de direction. Petit fils de pute. C'est quoi? Les gars. Ouais. Ouais. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je crois qu'il est temps à Mini Lesnar de faire ses preuves. Oh yeah, baby. Parle de moi. Retire ce cuir à ce fils de pute. Non. Son cuir. Ok. Je peux le faire. Je lui retire son cuir. Hein? Ah là là. Je te laisse te faire plaisir. Vas-y. Il parle de qui là? Vous savez très bien que c'est un honneur de le cuir. Si vous l'enlevez, vous avez mon honneur. On en a un à foutre. Ferme ta gueule, toi, ta tronche de cake de merde, va, clochard, va. On va le brûler. Ferme-la, elle est pissée. Wesh! Il fait moins le malin, le petit cabassa là. Wesh! Ouais, tiens, il y a ton dorive. Chicken. J'espère que tu as dégusté ton dernier burritos. Hein? Espèce de faritas, va. Et enlève ton cuir, voilà. Super. Parfait. Là, c'est beaucoup plus réaliste, j'ai envie de te dire. Bon. Je crois qu'il est temps pour toi de rencontrer la grande faucheuse. La grande faucheuse? C'est assez moi, Mercedes. Ouais. Sors ton gun. T'es sûr, là, je... Maintenant. Oui, mon fils. C'est toi contre toi-même. On est déjà tous passés par là. Tu veux faire tes preuves? Tu veux être loyal envers le club? Tu veux être comme ton père? Ouais. Tu me le flingues. Ah, je lui flingue la jambe, genre j'handicap. Tu lui mets une balle entre les tes yeux. La cabeça. Ouais. Ah ouais, chez eux. Ça qu'on veut. Ouais. Tu descends. Ouais, je lui... Au favor. Merde. On va te laisser faire ça. Je lui mets dans le cul comme ça, ouais. Merci. Rock'n'roll. Ok, les gars, ok. Ouais, mais papa, je fais ça devant tout le monde comme ça, là. Non, bien sûr, je t'ai dit, c'est toi contre toi-même. Okay. C'est un Mayan, c'est un ennemi. Tu le tues, une fois que c'est fait, tu nous rejoins au club. Et enfin, la grande récompense, tu la verras. Mais que je vais le tuer moi? Ok, mon fils. Ok. Nous, on a 2-3 trucs à faire, tu nous rejoindras au club quand c'est fait, d'accord? Je vous rejoins au club, okay, ouais, ça marche. Ok. Et entre les deux yeux, hein. Et entre... Allez, les gars. Ok. Tu joues pas, hein. Tu fais une marque avec une cop. On compte sur toi, hein. Allez, pute-le-moi bien, je t'en prie. Allez, ouais. Ok, les gars. Je te fasse une marque. Je vais brûler le front, tu veux que je te fasse une marque. Il peut se passer par là, petit gars. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Ok. Allez, on compte sur toi, mon gars. Eh, dis-moi le paquet. C'est trop fort. Hey. Pour favor. T'as une dernière revendication? Pour favor. Eh, dis. Hey. On est déjà avec mon cuir. Écoute-moi bien, ouais, ça va être simple, moi. Moi. Ah bah je suis en ouf moi dans ma tête. Ah bah non, putain. Les gars, je le tue moi. Je le bute les gars. Non, por favor. Eh les gars, faites-moi confiance, ok? Ne dites pas c'est gaze, arrêtez. Laissez-moi bande de haters. Vous allez, faites-moi confiance les gars. Je vois y'en a, ils sont un peu fébriles du personnage. Trust me. Non, tu t'appelles comment toi mec? Pablo comment? Pablo Rodriguez. Hey. Et Pablo. Si je te laisse en vie, tu fais quoi? Ouais, tu fais quoi, Pablo? Et hey, si je te laisse. Eh, hey, la voix, c'est bien ou pas? Je fais bien l'accent de motard. Je te ferai à manger, à boire. Et toi, le ménage, tout. On va commencer. Tu vas te mettre accroupi, tu vas faire ce que t'as à faire là avec. Tu vas te mettre. Eh, tu vas te mettre accroupi. Hermano. Mets-toi accroupi là. Accroupi.
Je te croupis. Si, c'est bon. Ouais, je te flaguais là. Non, tu que t'es bête. Ah, vous là, les hein. Paprika de merde. Pour favor. Ah. Pour favor. T'as l'air d'être plus intelligent. Je suis plus intelligent. Et là, qui me dit que si je te laisse en vie, tu vas venir me tuer après? Non, je te jure, tu seras mon sauveur. Dis comme dans votre langue, là, vous, les... Hein, dis-moi, Wala Radim, là, où je sais pas que... Hermano, je suis mexicain, pas... Bon, je m'en fous, là. Fais-moi, la shahada, là. La quoi? Astaghfirullah. Ouais, non, bref. Ça va être simple. Je vais te laisser en vie, connard. Tiens. Tant pis. Fais le mort, fils de pute. Putain. Les gars, c'est que le début. C'est que le début, les gars. Les collègues. Ouais. Allez, bisous. Oh. Tue-le. Les gars, moi je vous dis rien. Juste, faites-moi confiance, les gars. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Mais tant mieux. Ok, vous voulez que je le tue? Je retourne le tuer? Ok, on va le buter. Et toi là? Et Christian? Fais le mort, je t'ai dit. Fais-moi dire. Faut que je t'en mette une. Je veux t'en mettre une si dans l'IEP. Mais si je suis mort. Je vais pas. Mais si t'es mort là, tu te laisses fermer. Toi, ta gueule. Voilà. Un peu de théâtre là, un peu. Vas-y, fais-moi des. Stop. Allez, je me casse, moi. Mais c'est pas ma moto, les gars, ça, de base. Enfin bref, vas-y, tu sais quoi, en attendant qu'on va sur le... On retourne à la maison. Alors les gars... Les gars, du coup, je vous présente mon personnage. Mercedes Horton, je crois. Ah, elle est là, ma moto, elle est là, merde. Mercedes Horton, les gars. Et comme vous le voyez, j'ai pas le blouson de... De SOA. SOA, c'est le groupe avec qui on fait la scène actuellement. Pourquoi j'ai pas ce blouson? Vous allez comprendre par la suite, là dans la scène qui arrive, là, les gars. Et puis voilà. Je laisse un peu de suspense. Je vais vous laisser un peu de suspense, les gars. Et après, je vais vous expliquer le background. Et qu'est-ce qui va faire ce personnage-là en ville. Et comment il va évoluer. Parce que la tête d'homme, les gars, j'ai travaillé à la mort. Enfin non, j'ai bien réfléchi au personnage. Contrairement à Young Tfu, j'ai créé des il a pas de background skin. Attends, le club c'est où déjà? Merde. Oh putain, les gars, merde. Oh merde. Ok. Il s'appelle Mercedes, les gars. Et là on vient de me dire avant de me connecter que Mercedes c'est un nom de fille. C'est américain mais c'est un nom de fille. Du coup j'ai flop un peu, les gars, mais calme. Il y a 1666 viewers. Starfallah. Oh, les bâtards, ils ont des motos de fou. Incroyable. Les gars. Oh, il est là. Ouais. T'es fier de vous, papa? Extrêmement fier de toi. Tiens, raconte-nous. Les gars, vous voulez que je vous raconte? Je lui ai dit. Il venait d'où là, ce avec son teint basané de merde là? je l'ai dit, ouais, voilà. Il me dit, ouais, je suis Mexique, quoi. Moi, je lui ai dit, hey, nous, c'est l'Amérique. Tu peux être Mexicain au Mexique, mais pas un Mexicain en Amérique. Et vous savez, la balle, je l'ai mis où? Je l'ai mis une dans l'œil droit
une dans la fesse gauche. Son père. Et ouais. Oh, bah, ça c'est beau. Mais pourquoi dans la fesse? Ça c'est le fils de son père. Viens, fiston, viens. Bravo. Mon frère. Il fait un deuxième trou de balle. C'est beau, merci. J'espère que maman est fière de moi là-haut aussi. Je suis super fier de toi, mon fils. Et alors, t'as pris un peu de sang? T'as pris quoi? T'as pris quelque chose? J'ai pris Oh putain, j'ai oublié. Oh putain, papa, j'ai déconné, merde. Non, c'est pas grave. Ah, j'ai déconné. Ouais, tiens, prends, ils s'occuperont de lui. Eh les gars, vous voulez une blague? Putain, vas-y. Ouais. Ouais. Putain, je crois que j'ai niqué la scène, les gars. Est-ce que vous savez comment on sauve un Mexicain de la noyade? Oh, merde. On le sauve pas. Vous savez pas? Non. Eh bah tant mieux. Le président est con, putain, il est con. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Il a dit comment ça va? Un mec de la noyade va pas. Piston, je suis fier de toi, mais je suis plus fier de vous, les gars. Vraiment. Merci, merci. Merci, président. Jamais je te touche. Depuis qu'on a repris ça, merci, président. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est beau. Ouais. C'est de tous nous voir en gros. Il rigole premier degré, Tobias. Le cul des gonzesses. Et le cul des gonzesses, parce que ouais, bordel de ouais. Mais oui, qu'est-ce qu'elle est bonne. Putain, ouais. Ah, ouais, les gars. Ah, Merco, je suis fier de toi, tu te souviens quand ouais, je t'ai dit. Le cul. Ils sont où les prospects, là? Ah, je suis là. Je vais aller chercher la clé 12, s'il te plaît, ma bécane, elle a un problème au niveau du sillon. Ah, ouais. Oh, les gars, vous allez péter un câble. Bon là vous savez rien de son personnage là. Oui, vous allez péter un câble les gars. Prends-toi une bonne bière, c'est bien mérité les gars. Et je bois une petite bière. Ah ouais mais moi je. T'es un homme maintenant. Ah ouais c'est vrai. Allez on fait la fête. Et vous savez que c'est ma première bière là que je vais boire là. Allez, putain merci d'être dans mes bras, je suis fier de toi. Ah oui merci. Alors je me souviens encore hier il faisait un mec sauce. Il y a les Mayans, Comment ça il y a les Mayans? Oh non celui que j'ai pas tué. C'est pire que la mauvaise herbe, ça, bordel. C'est pire que la mauvaise herbe. Putain, t'en arrachant, il y en a 10 qui débarquent. C'est grave, ça. C'est quoi, ça? C'est pire que des clopes. Putain, mais ça se reproduit en masse, ça. Il y a quoi? Il est pas mort. Il est pas mort à l'intérieur. Il est pas mort. Il est nos femmes à l'intérieur. Venez. Viens, viens, viens. À protéger Marie Julia, on s'en tue. Mais qu'est-ce qu'ils font, bécane, là? Mais bordel, merci de rester foutu. Qu'est-ce qu'ils font, bécane? Oh, la bécane, bordel, là. Silence, oh merde. Oh zut! Ouais. Oh là là, merde alors! Mais quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Quelle connerie tu parles? Vous avez manqué de respect à mon ombre. Alors? Vous lui avez arraché son cuir. Il était sur notre territoire. Oh. Eh bien, dans ce cas, je vais arracher tout ce qui vous tient. Oh zut! Quoi? Putain! En plus, vous me l'aviez dit qu'il fallait que je le tue! Parle mieux, plutôt, ouais. Voilà, bien dit, Jackie. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous mettez de l'essence comme ça? Vous êtes terminé? Quoi avec nos bécanes là? Qu'est-ce que vous faites avec nos bécanes? Vous voulez finir comme votre mec? Vous êtes terminé, vos enculés! On emmerde vous et votre honneur, bande de fils de pute! Cassez-vous le chemin! Oh putain! Oh derrière les gars! À l'intérieur! Ça pue en rien! Oh merde! Oh putain! C'est la merde! On les laisse pas rentrer, les gars! Papa, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, les bécanes! Putain, ça pète, les gars! Putain, qu'est-ce qu'on fout, bordel de merde! Oh papa! Oh merde! Attendez, les petites! Les femmes! On va pas descendre en haut aussi, des coquins! Allez, bébère! Oh merde! Venez! Ça tire! Putain de merde! C'est la merde! C'est la putain de merde! Eh président, qu'est-ce qu'on fait, président? Je suis devant! Ok, on se place, les gars, on se place! Putain, ma bécane! Ils veulent la guerre! On va leur donner la guerre! Putain de merde! Putain! On va se venger! Saloperie de cloport! Bon, écoutez, les gars! Ça va swinguer? Ouais! Oh merde! Putain, j'ai plus de balles, qu'est-ce qu'il y a des balles? À gauche! Mercedes, t'es un fils de pute! Mais je pensais que je l'avais tué, moi! C'est pas grave! Fils de pute, Mercedes! Mets une balle dans l'œil, ça se sent quand même! Entends-toi, papa! C'est quoi ce bordel, putain? C'est quoi ce bordel? Ok! Merci! Allez, Doc! Moi, j'ai que ma molette! Putain, mais pourquoi sont les pères? Ah, il bloque la porte! Il bloque la porte, reculez! Pas tout le monde! Reculez, les gars!
Faites gaffe, ils sont juste là. C'est qui? Oh merde! Eh, reculez, reculez! Eh, reculez! Eh, reculez! On recule, on recule! Tirez, les gars! Tirez! Non, tirez pas en fait! Tirez pas en fait! Attendez. Non, fallait pas tirer en fait! Ok, on tire plus! On tire pas! Qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez touché à nos bécanes! C'est moi, j'ai tiré, merde! Merde! Putain, comment ils ont osé! Merde! Dégagez de mon bar! Non, on va discuter un peu plus tard. Bon là y'a une musique de Eminem Maroon Aminado. C'est pour qu'on est là. Écoute la musique. Sur les filles. Tu rentres dans mon bar et tu vas me demander un tour de Mayan. Oh ça va être génial. Oh ça va être génial. Tu sais très bien pourquoi on est venu. Tu sais très bien pourquoi on t'a poursuivi jusqu'ici. Tu as perdu ce pari non? J'ai perdu ce pari. Un live bien raciste. Tu as perdu. Tu as voulu te jouer de moi avec ta pièce à deux faces. Dégage de mon bar. Mais je vois la tienne de face aujourd'hui. Hein. Alors. J'espère bientôt qu'elle va rester cachée dans le sable. Parce que je ne te raterai pas. Casse-toi de mon bar. C'est pas scripté, les gars. Moi, je m'en vais de ton bar. Non. Parce que sinon. Certainement pas. Quitte à se mettre tous les chapters Mayans sur le cul. Je flinguerai une présidente dans mon bar. Oh, tu crois que tu es assez puissant pour nous faire tomber? Casse-toi de chez mon père, là. Écoute-le. J'ai confiance en ma force et la force de mes gars. Oh. Je pense que tu te crois un peu trop haut. Toujours Malika. Tu ne crois pas? C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'Esprit. Oh, tu sais compter, toi? 5. C'est un miracle, non? 6. Il va rien faire. 4. 5, 6, il a dit. 13. T'as pas les couilles, Lesnar. 2. Ou non. Tirez. Aïe. Ah, oh putain, bien joué les gars, bien joué. Vive l'Amérique. Vive l'Amérique. Je l'ai tué, le patin. Vive l'Amérique, ouais. Vive l'Amérique. Ah merde. Je crois qu'on passe dans le palier servi. Rock'n'roll. Les gars, attendez, le prêtre est touché. Quoi? Le prêtre est touché. Vous l'avez fumé. Putain, prêtre. Merde, merde. Poussez-vous là, président. Pourquoi le chien, je parle? Putain, mon frère. Je me suis maltraité par des chiens, IRL. Ah, ça va con, là. Vite, j'appelle une ambulance, j'appelle une ambulance. Merde, merde. Une putain d'ambulance. Papa, qu'est-ce qu'il y a, papa? Le prêtre s'est touché. Fiston. Oui. T'es sérieux? Tu nous as menti. Président, reste avec nous, putain. Non, mais... une chaise. Putain. Je pensais l'avoir tué, papa. Prosper, allez, une chaise. Allô, j'appelle l'ambulance, papa. Ramenez de l'alcool, ramenez de l'alcool. Ramenez des bières, les gars. Désinfectez tout ça, la tronche de soi, là. Les gars, c'est bon, ça va aller. J'ai juste pris une balle dans le bras. Juste un truc à vous dire, parce que là, c'est le merdier. Fiston. Oui. T'as très... Vous aimez bien les gars le personnage? Enfin, le genre physiquement? Parce que maintenant, là vous savez... J'ai encore plein de trucs à vous dire. Y'a plein de trucs à vous dire. En vrai? Ça va? Ok. Et j'ai plein de trucs à vous dire encore... En vrai, je peux vous dire maintenant. Donc là, vous savez que c'est le père du président de chez les SOA. SOA c'est un groupe de motards. Sauf que moi-même, je vous avais dit, j'aime pas être dans un groupe, genre constamment, et dépendre du groupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait ce personnage là les gars, il va être en indé, genre un chouïa en indé. En mode je vais faire des scènes tout seul, comme je vous avais dit, en mode un illégal comme à l'ancienne. Oh là là. Ferme ta bouche et joue. Mais là je dois pas jouer là. Je dois attendre genre 2 minutes. Et c'est bon. Un peu comme à l'époque. Je vais dire les termes. Je vais dire les termes, les gars. J'ai envie de faire revivre l'époque de DiCaprio, tout ça là. Et ce personnage là, il va être. J'ai envie qu'il aille loin de ouf. Et j'ai prévu plein de trucs. Genre même là, vous allez le savoir en début de jeu là, directement. Mais en même temps, c'est le fils d'un président. Donc c'est-à-dire qu'il est jeune pour l'instant. Et donc le but, c'est de le faire grandir. C'est comme ça qu'il va évoluer, genre, et qu'il devienne quelqu'un de grand. Mais je vous dis pas tout. Vous allez savoir au fil du temps. Ton but, c'est d'être le boss de la ville. Pas vraiment. Normalement, si vous avez vu le trailer, j'ai dit un truc. Ok, c'est bon, je crois que je peux remettre la scène. Ok, c'est reparti. Ok, les gars. Bon, donc. Tout le monde a ravitaillé sa bécane, les gars. Ouais. One highlighter. Ouais, présent, c'est bon, Prez.
Clé, tout est bon. Jackie, tout est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est carré. Tout est bon, ouais. C'est carré. Hector, tout est bon. Ouais, c'est bon, ouais. Ok, les gars. Parfait. Julian. Donc là, on est un an plus tard, mais j'ai encore le sang sur moi. Super. Fiston, monte sur ta bécane. Ok, papa, ça marche. Hop là. Ouais. Ah putain, la bécane. Non. Ah merde. Ah, je monte avec toi. Ouais, monte derrière moi. Non, les gars, en gros, je suis le fils du président. Et je suis aussi un fils de... Attendez, oui. Putain. Attends, je voulais vous dire un truc aussi. Ouais, mais comme vous pouvez le voir là, les gars, j'ai pas le cuir des SOA. En gros, je suis pas un SOA. Je suis le fils du président. Ça veut dire que je vais avoir des scènes avec lui. Mais t'as dit quoi? On est quand même beaux tous ensemble. On est quand même des beaux fils de pute, quoi. Ouais, des beaux fils de pute, exactement. Ouais, ouais. Ouais. Et dis-moi, toi, ta mère, elle va bien? Ouais. Ma mère, c'est une salope. Ma mère et moi? Non, ma mère à moi. Ah ouais, parce que je fais attention, moi je parle. Ouais. Ah oui. Ah merde, attendez. Check TMP. Oh merde, j'ai fait une bêtise. Et toi, la tienne, comment elle va? Ah. T'as dit quoi? La tienne, comment elle va? Ma mère? Ah oui. Elle est morte, ma mère. Elle est morte? Ouais, elle est morte, ma mère. Putain, c'est vrai, oh là là. Ouais. Ah, mais tu sais, tout le temps. Tu sais, elle est tellement importante au sein du club que putain, tu vois, des fois. Et tu vois le petit bar, t'as intérêt à me le faire monter. Attends, tu peux répéter, papa, s'il te plaît, j'ai pas entendu. J'ai dit, tu vas aller voir Mary, tu vas faire ta petite affaire. Ouais. Et le petit bar, t'as intérêt à me le faire monter. Ok. T'as capté? Ok, j'ai capté. T'as capté ou je dois te l'expliquer? Non, j'ai capté. Ah, c'est bon, papa, c'est bon. Et peut-être que là, peut-être. Tu dois te faire pardonner de ton geste. On pourra te serrer la main. Ouais. Peut-être. Moi je te serre la main parce que c'est mon fils, d'accord? Tu sais que tu serais okay. Pas mon fils, tu serais déjà mort et enterré. Ok. Eh, tu sais quoi, moi je te... Eh, mon papa, regarde-moi dans les yeux, papa. Tu me vois dans je les yeux, papa? Dans les yeux. Eh, vous me voyez, vous aussi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans l'œil. Eh, l'œil dans l'œil. Ouais, on te regarde dans l'œil. Et j'ai l'air d'être un afro, moi? Non. Bah non, bah non. Et pourtant, qui rate tout? Qui nique tout? Les afros. Donc moi non. Eh ben non, donc je... Eh, mais moi, jamais de la vie, moi. Eh ben voilà. Dépêche-toi maintenant d'aller faire tes petites affaires et ramener de l'argent, parce que je te rappelle que t'as des bécanes à rembourser, ça te fait 500 000 $ à rembourser au club. Ah ouais, donc ok, bah. T'as actuellement à 167 000 $. Ah là, c'est comme ça, c'est un an après que tu me rappelles ça, papa. Allez, dépêche-toi d'aller faire ton fric. Ouais, d'accord. Mon petit fils que j'ai. Mets-toi le cul, allez, t'as trop. Papa, je dois te parler après. Au sujet de maman, ouais. Mercedes. Ouais. Je t'aime. Bah, moi aussi, je t'aime, pépé. Ouais. Bon, vous deux là, les deux têtes de bise. Donc là, les gars. Là les gars, ils viennent de donner une information que vous avez pas entendu. Alors, non pardon, je suis en ouf que vous avez peut-être entendu, excusez-moi. Quelqu'un a retenu mes deux business là que je vais avoir en lançant. Du coup Mercedes c'est mon prénom, oui. Alors, bref, je le dis pour tout le monde. Je vais gérer le bar, donc ça veut dire que j'aurai que ça comme source de revenus. C'est-à-dire les gars, pas besoin d'aller farm ni rien. Hella, on va créer des soirées. Et ensuite, les gars, il a aussi dit que je gérais Marie. Mets-toi le cul. On y va. Et Marie, en gros, c'est... moi, je vais être proxénète, les gars. En gros, Marie, c'est une tepu en RP. Et je vais être proxénète. Ah là, elle essaie de... Hey, ça va? Oui. C'est maman. Hein? Non, pardon, tu ressens, j'ai des flashbacks de ma mère là, en ce moment là. Merco, arrête tes conneries, c'est moi qui t'ai déviergé, je suis mère. Ah, c'est Marie. Ouais, c'est Mary. Ah, excuse-moi, Mary, parce que là, tu sais, j'ai bu une bière là juste avant. Eh, ma troisième bière, j'ai entre les compter. Eh, Mary, dis-moi. Ouais. C'est ouais, dis-moi. Eh oui, on a fait l'amour ensemble, Mary? Mais plein de fois, Merco. Ah bah oui, c'est vrai. Et moi maintenant je touche plus à ça, moi. Ouais, c'est bon. T'as arrêté? Ouais, j'ai arrêté ça, moi. Moi tu sais, moi je suis... Et moi pour l'instant je me concentre sur le business. Putain, c'est dommage, t'avais un bon petit cul, Merco, je te jure. Attends, quoi? T'avais un bon petit cul. Ouais, ils ont compris, les gueuses, là. Ouais, mais... Ouais, mais c'est... Attends, mais c'est... Quand j'ai...
Hein ? Non, tu t'en rappelles pas. Bah si, je m'en souviens, je m'en souviens. Eh bref, eh, viens, faut qu'on parle, viens. Ok. Attends. Oh, Mary ! Si tu savais... Ah, t'as compris la blague, Mary, Marie ? C'est Johnny, c'est à l'époque... Putain, t'es tellement drôle, Merco. Merci, merci, ouais, ta gueule, je suis... Écoute-moi bien, toi. La prochaine fois que tu parles le suivant, je te pète la gueule, t'as compris ? Papa ! Papa ! Non, ton père, ouais. Papa ! Y'a un truc qui dérange. Voilà, prends le numéro de téléphone. Voilà que je pouque avant mon père. Eh, papa, il... Oui, my son. Eh, non, Mercedes. Mon fils. Oui, my son. Oui, lui, hey, il m'a insulté, il m'a dit sale fils de pute, et toi, et vu que maman elle est morte, bah, je pense qu'il parle de toi. Ah oui, fils de pute à mon fils. Moi j'ai dit ça, moi. Ouais, toi t'as dit ça, toi. T'as 3 secondes pour dire la vérité. Tu vas pas mytho à tonton Clé, toi, d'accord. Tu vas pas mytho sur tonton Murphy. Ouais, bref, de toute façon, vas-y, ta gueule, toi. Enfin, pas toi, papa, enfin, non. Ouais, bah ouais, pas lui non plus. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est passé là? Allez, dépêchez-vous. On arrive. Mais Mary, on parle après, Mary. On parle après. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais wesh, je suis allé dans un groupe de psychopathes. Aïe, y'a un sous-sol. Alors les gars, voilà, je suis pas au courant ça par contre. Tiens, viens, on va commencer à parler de ton petit business que t'aimerais mettre en place avec la sœur Mary. Ouais, mais elle est où, Mary? Bah, elle est en haut. Ah oui. Mets quelque chose en place avec et après viens toquer à la table, ok? D'accord, donc je vais d'abord parler avec elle, après ouais. Ouais, voilà. Ok. Tu m'aimes bien. Ouais, les frères. Mary! Et vous, Prez, comment ça va? Putain, les gars, ça va être incroyable. Et attendez, chat, dites-moi si j'ai fait un bon move ou pas. En gros, j'avais le choix à rentrer dans le groupe complètement ou faire ce que j'ai fait comme solution actuellement. En gros, là, ce que j'ai fait, les gars. Attendez, pousse. C'est que là, en gros, je suis en indé. Ça veut dire que là, je suis pas impliqué dans tout ce qu'ils font. Mais en gros, je serai dans les scènes. Mais en plus de ça, Inch'Allah, bah, je vais développer mon RP à moi personnel pour créer mon histoire. Ça va? Ok, c'est carré. Vraiment, je le prendrai pas mal si vous me dites que j'ai merdé ou quoi. Ok, bah c'est carré. Eh, Marie! Vas-y, faut que je... Eh, les gars, les gonzesses, je vous l'emprunte 5 minutes, d'accord? Ouais. Eh, viens, Mary. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te suce? Non, moi, je t'ai dit que je touchais plus à ça, moi. Eh, maintenant, c'est le business. Eh, c'est... Faut que t'arrêtes de faire ça à tout le monde, là, tout ça. Maintenant, regarde ce qu'on va faire, Mary. On va aller... Au lieu de faire ça gratuit, attraper des NST ou des... Là, tu vois, là... Hey, là les gens ils en ont marre du site là, Pornote, Pronote. Pronote? Ouais, là où ils se touchent la nouille. Là faut qu'on aille faire... Bref, là faut qu'on rentabilise les NFT. Ok, donc là, ça veut dire quoi? Que QB, pardon. En gros là faut qu'on rentabilise les NFT. Ce qu'on va faire là, je vais aller dans le sous-sol moi. Là je vais parler avec les gars. Ensuite, on va faire la tournée de tous les quartiers. D'accord, les quartiers de pauvres, voilà, les afros là. Avec leur gros. Dans le sud là. Ouais, avec leur grosse. Bref, t'as capté. Et on va aller vendre ton cœur, d'accord. On va instaurer une grille tarifaire. Oh, ça c'est une bonne idée. On va instaurer une grille tarifaire. On se fait de la thune sur eux. Mais on double les prix. Exactement, et derrière, tu sais quoi? Le business de ça là, de Proxénète, ça va être aussi pour prendre des informations. Oh, bien vu, putain, je sais que t'étais pas con. Et tu veux. Et moi, Eh, mon chien ouf, moi, dans ma tête, d'accord? Ouais, c'est bon, calme-toi, mec. T'as pris tes médocs? Eh, je vais te. T'as pris tes médocs? Ouais, putain, donne-moi ça, je les ai plus, tu les as pas? Tiens. Non, je les ai pas. Putain, c'est bon, je les ai croqués, j'ai pas d'eau. Ouais, c'est bon, je vais aller dans le sous-sol. Vas-y, dis-leur. La place de la femme, c'est. La cuisine. Ah oui, les gars, les SO ils sont grave misogynes. Ça c'est un truc à savoir, les gars. C'est que. Mais c'est du RP, hein. Attendez. Ouais, entrez. Ça c'est. Eh. Ah, écoutez, on a un truc à mettre au vote. Oui, rentre. Ouais, c'est beau, papa. On a mis un plan sur le business. Explique-nous. En gros, ça va être simple. Je viens d'avoir un IDs. One IDs. En gros, pour la faire courte... T'arrêtes de faire le zouave quand t'es à la table, fiston. Ok, j'arrête de faire... Ouais, d'accord, excuse-moi, papa. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, nous, avec Mary,
la tournée des quartiers. Un peu, on va déposer un peu notre affiche comme que MRI c'est une pute et elle vend son corps. Mais une grille tarifaire. Ouais. Mais ça va... ouais. Exactement, on va faire un business plan. Comme ils disent là. Et, ouais, les gens dans le marketing. Et donc on va aller vendre son cul, mais en échange, ouais. On va essayer d'avoir des informations sur les gens un peu. Ah, et, pas si con que ça. Et, donc vous, papa, tu vas leur dire ce qu'ils ont à faire. Et moi, ce que je vais faire, c'est prendre des informations. Je suis un peu la foire fouille, quoi. Je parle pas du magasin. Ouais, j'ai fini du génie. Elle a toujours son sens de l'humour, ce con. Toujours, ah, c'est ouais. Important, mais. Écoute, fiston, tu sais très bien que les bécanes. J'aime trop leur rire. Perdu par ta faute. Elles sont encore dans nos cœurs. Donc ouais. Rachète-toi et fais ce qu'il y a à faire pour le club. Ça marche. Si je l'ai pas considéré dans le club et tu le sais très bien pourquoi. Ouais, je sais très bien. Ah, j'en ai la larme à l'œil, putain, ma Allez, bécane. Casse-toi, va faire ce que t'as à faire. Okay. Ma belle bécane joue une merde. Ah, bon courage, les gars. Ouais. Vous êtes prêts, mes frères? Ouais, on est prêts, ouais. On prend les prospects avec nous, là, je les ai envoyés juste aller un petit peu se montrer et aller chercher bouffe, tout ça. Pour nous, quoi. Parce que c'est important. Je crois que la scène d'intro, elle est finie, je peux vous parler, je crois. La caution. Je sais pas. C'est Attendez. Pas obligatoire chez moi, la caution, les gars. Attends. Vous savez, on est tous rares. Mais si vous avez de la thune à mettre. C'est le plus gros flop, mais je sais pas, je kiffe trop bien. Ah, mais les gars, c'était scripté le fait que je le tue pas, hein. Je devais pas le tuer, hein. Ah non, vous êtes fous. Ah, les gars, c'était scripté ça. Ah non, c'était scripté. Mais en fait. Ils t'ont dit quoi? Hein? Ils t'ont dit quoi? Ouais, non, donc là, ils m'ont dit que eux, c'est bon, là, eux, ils vont s'occuper d'eux. Là, nous, faut qu'on aille dans le business. Moi, ce que je vais faire, tu vois, comme là, faut que j'aille refaire mes papiers en ville. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi, j'ai tout perdu. T'as putain qu'un bouton, ouais, plus rien. Ouais, nique le gouvernement, ouais. Mais on va se calmer, monsieur. Ouais, petite blague, ça va ou quoi, les gars? Eh, comment ça tu t'es vendu des fils de chien, ouais? Non, ça va, je rigole. Eh, les flics, dites-moi. Ouais, je vous écoute, je vous propose une femelle là, à ma gauche. Eh, Mary, présente-toi, Mary. Regardez, j'ai un gros cul. Ouais, ça, je suis plutôt d'accord, ouais. Ouais, carrément, ouais. C'est 100 balles, bon. Les gars, 100 balles. 100 balles, ouais, allez, vas-y, tu passes mon tour. C'est 1200. Désolé, j'ai oublié un zéro, c'est 1000. Ouais, bah oui. Ah, okay, et 200, il y a la totale en plus. Non, merci, madame. Eh ouais, et les gars, c'est une dinguerie que mon. Eh bref, ça y va, quoi. Ah, ok. Mm-hmm. Bah, amusez-vous bien, en tout cas, tous les deux. Non, mais moi, faites passer ça au commandant, là, je sais pas quoi, ouais. C'est sûr. Jamais il se fait chier un peu dans son bureau, là, passer sous le bureau, tout ça. Ah ouais. Ah, ok, ça marche. Eh, pas mal les business, mais rien. Bah, dis donc, Apex, bon, allez, au revoir. Au revoir, mais. Vous cherchez tes papiers? Ouais, on va faire un tour en ville. Vas-y. On va faire un tour en ville. Sorte aussi, les gars. Eh, par contre, parle pas des mecs comme ça, toi. N'oublie pas que t'es une femme avant tout. Putain, ouais, c'est vrai. Ils sortent, mais maître supérieur. Ok, super, on va faire ça. Ouais, ils sortent là, ouais. Ah, les clés, allô, j'ai. Allô, je les ai foutu où, les clés? Merde! Allô. Attends, je te les donne. Eh, Gazelle. Merci, papa. Secteur, ouais, je. Attendez, donc le but c'est de venger ma mère. Comme vous avez vu dans le trailer. C'est bon? Ah, pardon, papa, excuse-moi, je suis toujours tête à l'air. C'est de venger ma mère, comme vous avez vu dans le trailer. Et tu m'appelles s'il y a un problème, d'accord? Ça marche. Je fais le relou avec les copains. Les prospects sont partis au Burger Shot. Eh, monte, arrête de me tripoter le gag là. Putain, t'as senti, je crois que tu sentais pas. Et les frères aussi. Donc le but des SOS c'est de niquer le gouvernement. Moi ça va être ça, de niquer le gouvernement. Et j'ai un but aussi que HRP, les joueurs ne le savent pas, sauf Idater. C'est de niquer le groupe. Et ouais les gars, moi mon but ça sera de niquer le groupe. Oh non putain, ils vont pas remettre ça les deux. Et franchement, il y a plein d'autres choses, mais je vous spoil pas. Par exemple, retrouver le tueur de ma mère. Mais le tueur de ma mère existe vraiment pour de vrai dans le serveur. Là, c'est pas en mode un ped. Zarma, il a pas un physique. C'est pas un perso one shot. Mais pourquoi? Bah, je vous spoil pas tout. Tu vois, c'est le but aussi. Le but, c'est que vous kiffez l'histoire. C'est pas que vous sachiez tout, tu vois. Et voilà. En HRP, c'est qui a fumé ta mère? Je le dirai pas. Tu fais la gueule à tonton? Je dirai pas. Vous déconnez, les gars, je vous jure. Franchement, les gars, vous allez kiffer. Et pour ceux qui veulent savoir aussi, est-ce que ça va être un personnage rigolade ou sérieux? Je vais couper la poire en deux. J'ai réfléchi. À la base, je voulais faire un perso full sérieux, d'accord. Mais franchement, je me suis dit,
Je me suis mis à votre place, des viewers. Ça, la tête de WAM, je me suis dit. Trop sérieux, il y aura des soirs, ça va être grave guest, tu vois. Alors que les deux, ça va être les deux, c'est ça, exactement. En mode, il y aura des scènes RP à la mort. Vraiment une dinguerie. Et la rigolade, bah là vous le voyez, ça. Toujours un peu troll. Toujours un peu troll. C'est ma nature, de toute façon, je peux pas changer. Merci, allez, gars! Session de merci ou c'est que pour les ouais non je suis un ouf, c'est pas du RP. Merci Sky pour le sub, merci Capitaine pour le deuxième mois, merci Happy pour le deuxième mois, merci Tony pour le troisième mois, merci le Life pour le cinquième mois, merci GameG pour le sub, bienvenue à toi mon frère, Crevetos pour le quatrième mois, Lolo pour le deuxième mois, Zerka pour le onzième mois, merci Joseph pour le sixième mois. Oh j'ai un truc aussi à vous dire, IRL, pas par rapport au RP. Merci Jimmy pour le quinzième mois, merci Hippink pour les 5 subs, merci mon frère. Merci Julien pour le 26ème mois et Talco pour le 7ème mois. Désolé à tous ceux que j'ai pas remercié, mais le chat, la TB vous remercie les frères. Et moi-même je vous remercie infiniment. Merci les frères. Et ah les gars, la Zedlan. On a pas eu le temps de parler de ça en début de stream. Oh là là les gars, je suis accepté à la Zedlan. La Zedlan les gars, c'est dans un mois, pile poil. Enfin non, c'est le 12, bref. Dans un mois, les frères. Dans un mois, il faut qu'on traîne. C'est quoi la Zedlan? C'est un tournoi... Tu connais pas la Zedlan? Waouh. T'es trop... Comment on appelle les vieux, là, les... Oh le trou de balle. Ouais, ils viennent faire comme les Mexicains là, qui savent pas conduire. Enfin non, c'est plutôt les Arabes que. Eh dis-moi. Ah ouais, pas conduire. Non, du tout. Oh putain. C'est pas des Américains ça. C'est quoi ça? C'est pas des Américains ça, c'est sûr. Bon ça on n'est pas des Américains, mais c'est il est pas ça on n'est pas Américains nous. Qu'est-ce que tu nous racontes toi? Un boomer. Attendez, bah vous j'explique pour ceux qui savent pas c'est quoi la Zedlan après. Ouais, on a une. Merci Attila, merci Benjo. Merci le Lee venant. Merci Boyka. Merci la famille. Ouais la forêt les gars. Et lui il vient d'où lui? Faites gaffe, il y a des filles qui viennent nous mettre une amende parce qu'on. Il vient pas de chez nous. Attendez, vas-y. On y vient de prison. Je vous explique ce que c'est la Zedlan. Alors, c'est ma moto ça ou pas? C'est la mienne les gars ou pas celle-là? Est-ce que quelqu'un se souvient où est-ce que je me suis arrêté? Je crois que c'est celle-là, ouais. Ouais, attendez, si j'ai la clé, bah c'est que c'est carré. Ouais, c'est carré. Alors, la Zedlan, c'est un tournoi, bref, c'est un tournoi où tu peux gagner 50 000 euros. Après, moi franchement, je vais pas pour gagner. Hein. Je vais pas pour gagner, hein, ça, mais je pourrais m'amuser, mais on va essayer, on va se train. D'ailleurs là, après GT, on se train les gars. Ah non, c'est pas celle-là. Donc c'est celle-ci? J'ai pas les clés. Non, c'est celle-ci hein. Attends, presse, ils sont où les prospects là? Non, c'est celle-là. Allez devant, allez-y. Oh les prospects, occupez-vous d'eux. À côté, celle-ci? Voilà. Ta gueule. Ah, c'est celle-là. Regarde-moi bien dans les yeux, bordel. C'est celle-là? Tu te rends les coups, t'es un homme mort. C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu veux que tu mettes tes dents? C'est bon, chef. Ah bah merde, c'est pour ça qu'il y a une molette à la fin. Bien vu, chat, bien vu. Vous avez passé une bonne journée? Sinon, la famille, je vous ai même pas demandé, les frères, tellement on a lancé vite le live, etc. Dans ta gueule, toi, connard, va. Moi, je te crache dessus, moi. Clochard. Je vais cracher sur la bécane. Ouais, après t'as l'habitude, toi. Enfin, Non, c'est pas bien. Hein? T'en rappelles la dernière fois quand je t'ai craché dessus? T'es à 3 ans. Comment ça, mon ref? De quoi? Il y a 3 ans? Tu m'as craché dessus, moi? Bah ouais, t'en rappelles. Mais t'es en train de... Mais tu veux que, toi? Space... Oh! Mais vous êtes à la traîne. On est à la traîne ou on suit la traîne? On suit la traîne ou? T'as compris, Mary? La traîne, ouais, c'est chez les jeunes, sur TikTok souvent, ça c'est. Ouais, t'as pas tort, la traîne. Ouais. C'est sur TikTok souvent, c'est. C'est ouais, grave. Ouais, c'est Mais ouais, la Zedlan, les gars, je pense que ça va être chaud. Hein.
Je pense même c'est mort les gars. Est-ce qu'on y va la Z là non ça? Y'a pas la radio. Ça les gars ça. T'as dit quoi? J'ai dit chante une chanson, y'a pas la radio. Moi chante une chanson moi. Et c'est toi la prostituée, faut qu'on rappelle ça, faut qu'on mette les termes. Mais ça a aucun rapport. Bah si, c'est à toi de faire le boulot. C'est à moi de chanter? Bah ouais, chante, vas-y chante. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. T'as kiffé? Ouais, après y'a la cuisine quoi, c'est pas mal aussi hein. Putain. Ouais, lâche pas la cuisine. Alors lâche pas la cuisine, t'inquiète. Tu veux que je sorte une chanson? Vas-y, chante. Moi j'aime pas les enfants qui disent bismillah. Ça c'est de la musique, c'est. Oui. Cet enfant-là. Ça c'est de la musique, c'est, tu vois ce qu'il veut dire? Ouais. C'est clair, je t'ai entendu chanter là. Elle me chante du. Les gars. Ou sinon de la bonne musique, c'est. La bohème. Allez-y les collègues. 20 de 20 ans ne peuvent pas connaître. Putain, on accélère, elle chante toute grosse. T'es mal au fond d'écran les gars. La BM. T'as compris la BM parce que moi c'est Merke moi. Moi c'est Mercedes moi. Et dis-moi, t'as les crampés un peu vers là-bas toi ou pas? Mais quoi? Quoi Kumbéo? Oh ta gueule. Et ils font ça les afros, ça me fait rire. C'est... On est marre de toi. Hein? On est marre de toi. Eh dis-moi, 59 moins 49. Ouais. Ah non putain, je suis con. 50 moins 49. 50 moins 49, 1. Oh ta gueule. Et c'est souvent les Mexicains qui font ça, quoi. Ouais, bah l'autre il arrête pas de répéter tout à l'heure. Ah oui, laisse tomber, quoi. Eh franchement ils sont. Ils suivent la trende. Ouais mais c'est vraiment si vous là. Suivent la trende et pas la trans. La transition roule. Arrête-toi là. Ah non. Ouais, non ça, c'était pas fou ça. Ah non j'ai. Non mais j'avais oublié que ça voulait dire ça, putain, je suis con. Oh merde, je suis con. Oh non les gars, je voulais pas. Moi vraiment je pensais au mot transition. Genre la transition de scène. Oh merde, c'est vrai. Sorry Twitch. Hey Mary. Ouais. Dis-moi toi, ce que t'as vu, ça fait longtemps ou c'est pas vu quand même? Parce que moi je suis parti en vacances là depuis. Tu vas faire quoi en ville là? Je sais pas, pour l'instant je suis avec toi. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais t'as un autre boulot à part le boulot de la nuit? Non, je donne mon cul, c'est tout. Non franchement c'est lourd. Oh on va faire les papiers là. Attends, je crois qu'on va traîner en ville un peu avant. Ah ouais, les gars, ça va être génial parce que nous, on n'aime pas le gouvernement, les frères. Les SOA. Donc ça veut dire on aura que des grosses scènes. Ah non, là, ce qu'on fait, c'est qu'on se balade pour montrer qu'on est arrivé en ville. Ouais, c'est ça ce qu'on fait. Merci Loupiplop pour le 12e mois. Merci Rondop pour le 11e mois. Mais le capitaine, ouais, il va péter un câble. MDR, t'as dit t'es pas SOA. En fait, les gars, c'est. Le. Tu vas faire quoi, toi? Moi, je vais faire quoi, moi? Moi, les papiers, c'est tout. Ouais, les papiers. Ensuite, je vais aller directement me. Essayer de créer une soirée, là, pour le club. Ok. Pour faire un peu d'oseille. On fait un car wash. Genre sans string et tout. Et on se fait de l'argent. Ah, on met ça sur TikTok et les réseaux sociaux, là? Bah ouais. Ouais, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée, ouais. Ouais, c'est une bonne idée, toi. Ouais, c'est. Ah, bête, ça. Comme ça, après, on va percer. Timmy. Elle est complètement tarée. Merci, Winel, pour le 6ème mois. Ah, j'ai 48 FPS, les gars. OMG. OMG, les gars. Putain. Papa, on va parler au noir, là. Ah, ok. Ça, j'ai du mal à les voir, ils sont où? Sarala. Ah ouais, mais laisse tomber. Putain, mais regarde comment ils sont habillés. T'as dit que? Regarde comment ils sont habillés. Tous habillés pareil. Et moi, en vrai, moi je trouve ça pas mal en vrai. Hein. Ah, arrête, Merco, tes conneries. Regarde leur rose sweat comme ça là. Ils transpirent sous les aisselles. Ouais, mais t'es raciste ou que? Moi, raciste? Non.
qu'est-ce qu'il nous veut, Biggie, là? Tu vas attendre. Bon, avance avec les gars. Non, bloque la bloque. Ah merde, ils sont partis. Bah ouais. Hey Mary? Mary? Quoi? Hey Mary Weather ou? Je veux que tu fermes ta gueule. T'as compris la blague? Mary Weather, c'est une entreprise là. Ta gueule. Enfin, hey, moi j'ai le syndrome de. Ta gueule. Non, ça force à ceux qui l'ont pour de ça, les gars. J'en ai marre, tu fais que des blagues qui flopent, putain. Hey Mary, Mary? Quoi? Oui, Shana Merry Christmas. T'as compris la blague, mais. Putain, oh non! Oh non, les gars, les FPS! Oh non, parce que je suis pas en plein écran, c'est vrai ça. Je suis en fenêtre, Téma. Partout, ils sont festés dans le sud. Non, vous allez bien. Ouais, j'ai affaire à qui là? Kid, chanté. Kid, hein. Enchanté, moi c'est Jotach. Et tu peux m'appeler Molette. Molette, ok. Ouais, carrément. Dis-moi, c'est qui un petit peu le presse ici, là, le chef, le grand Manitou, je sais pas comment vous l'appelez. Oh, pas de presse, hein, y'a moi y a pas de qui gère mon côté, hein. Ouais. On va dire, y'a moi qui gère mon côté, là-bas y'a le Off-5-1, hein. Off-5-1 en face, là, derrière, là. Ouais. Ah, derrière moi, là-bas. Ouais. Putain, les gars, les mecs dans le groupe, ils sont. Eh, ils sont trop bien. Ton contact, ça les mecs dans le groupe, là, ils sont. Les mecs et les filles, pardon, enfin, quand je dis les mecs, je parle de tout le monde, là, les gens dans le groupe, en gros. Incroyable, hein. 47. Ouais, j'avoue, t'es mal, les gars! Eh, ce qui est bien avec ce personnage là, enfin avec tous mes personnages, ils ont toujours un nez bizarre. C'est ma signature. Téma, wesh. Téma, sa tête de. Sa tête de chips là. Eh, si jamais y'en a qui font des dessins, mentionnez-moi, comme ça je vous remets en story ou quoi. Parce que les gars, je parle pour de ça, et des mecs qui sont trop forts en dessin. Ils font des dessins sur les personnages. Ouais, t'as envie de le frapper lui. Fais des tatouages, mais Téma, j'ai un tatouage. Attends, je vous le montre. Je me tourne. Téma. J'ai un tatouage. Ah bah lourd flashback. Sur le ventre, j'en ai un. Oh non, sur le bras, il est parti. Mais parle bien de la bécane. Allez, on y va, les gars. Eh, parle bien de la bécane. On y va, les gars. Eh, c'est qui le boss ici là? Lève là. Bref, on va repasser tout à l'heure. On a des trucs à vous proposer, les gars. Lève. Ah, proposer ton UK. C'était de la merde. T'as dit que? J'ai dit, tu penses qu'il la baise, la meuf qui est là-bas? Ah, ça me tente. Je sais pas, mais wesh. Ouais, c'est possible, après eux. Ça se voit, c'est des mecs purs, ils ont pas de NFT ni rien dans leur truc. Putain, faudra qu'on leur propose quand même pour voir. Eh, dis-moi, t'as des NFT toi ou pas? Non, pourquoi? Ouais, papa! Va faire ce que t'as à faire, ce que t'as encore, même. J'y vais, c'est bon! Ouais, vas-y. Vas-y, Paps, vous êtes les meilleurs, Paps, d'accord? Et on se colle, hein! Au 5-5-5-42. Eh, pas de bêtises. Pas de bêtises, promis, on va faire que le boulot. Eh, les gars, que le business, les gars, rock'n'roll. Ouais. Eh, pas de Mexicain au Honor Amérique. Bon, on va faire les papiers. Ouais, vas-y, on va la mettre. C'est parti. Ah, ça me fait trop du bien, là, de... Ah, putain. Ah, les gars, je suis content de parler avec un sans accent. Enfin, si, j'ai un petit accent, mais vite fait. Ah, je suis trop content, là. Eh, on va à la mairie. T'inquiète. Eh, la police, yo. Ouais, les caps. Qu'est-ce monsieur? Eh, c'est... enchanté. Fils du président des SOE. D'accord. Monsieur, gars, vous serez intéressé par un bon plan? On a un truc à vous proposer. Non, un bon plan, les gars, on a un bon plan. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, mettez-vous sur le bas-côté, déjà, qu'on vous contrôle un peu. C'est... Sortez du véhicule, pas geste brusque, coupez le contact et fermez votre gueule. Eh, nous on est grave rock'n'roll, mec. Ouais, super. D'accord, rock'n'roll, mais on va parler autrement par contre. Eh, Mary, viens là, il me faut un coup de doigt là. Papote. Viens. Mary. Bon, ça va être simple. 63, viens là, il me faut un coup de doigt là. Je suis un coup de doigt moi, bouge de là. Bah, bref, chacun son esclave. Ouais, super. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous avec Mary, nous présente. Mais moi je suis proxénète, ça veut dire je propose des bons plans, ça veut dire. Mais dis pas ça, Merco. Ah, faut pas que tu dises. Bah ouais. Ah merde. Ah non, j'ai dit que je tiens un commerce de proxy. Un proxy, ouais. Dans le sud. Un proxy et on vend pas mal de trucs. Pas mal de. Des bons gros. Des melons quoi. Des vrais melons quoi. Des bonnes. Des pastèques, mais aussi des pêches quoi. Des bonnes pêches. Vous êtes un hanout en fait. Un quoi?
Monsieur, commencez pas à nous parler votre... Arrêtez de nous parler musulmans, là, monsieur. Hein. Arrêtez de nous... Commencez pas à nous parler de... Hein. Surtout avec, avec votre teint épicé, là, paprika, là. Non, par contre, on va pas commencer à partir dans des... Et ravale ta langue, fais 5, 7 fois avant de sucer. Il cherche quoi, lui, là? Bon, vous avez des meufs ou pas dans votre vie? Ah, oh, moi, les meufs, c'est parce qu'il manque, hein. C'est ça que tu proposes. Ah, bah, ça se voit vu ta genre gueule toi, de merde. Genre, toi, tu baises avec ta tête. J'ai les couilles vides, là, j'en ai marre. T'as les couilles vides? Ouais. Putain, bah, reviens me voir quand t'as les couilles pleines. Mmh. Donne-lui ton numéro, qu'on fasse tourner un peu de business, là. Vas-y, vas-y. Moi, c'est 25-19. Espèce de sale chien, vas-y. D'habitude, je fais pas ça quand je suis en service. 7-88, prends mon numéro. Ouais, c'est un dinguerie, wesh. Ouais. C'est dinguerie. Ça me fume les comptables sur le chat. Les gars, depuis tout à l'heure, on est 7000, on est en train de battre le rock. Les gars, moi, tant que vous profitez, je suis content, les frères. Et ça va être cool. Autre chose, mesdames et messieurs. Monsieur, parle doucement, toi. Eh, commence pas à hausser le ton. Eh, moi, je suis le fils du prez. D'accord? Ouais. Ok. Ok. Ok, mais tant que c'est pas le président de la République. Quelle République ici? Eh, on est pas en République ici, connard. On est aux States, c'est enculé. Vrai. Hein? Donc commence pas à nous ramener tes trucs qui étaient en Afrique et c'est à Los Santos, d'accord? Ok? Ah, c'est pas le président tout court alors. Y a pas de République ici. Moi je t'encule, mais. Allez, bien. Bon, allez, les gars, vous pouvez y aller. Non, fin du contrôle. Circuler depuis. Ça se voit, il baisse mal, lui. T'as dit que? J'ai dit, ça se voit, il baisse mal. Toi, t'es vraiment une obsédée, quoi. Mais tu croyais quoi? Quoi, Cubé? Arrête! Bon, allez, on va directement là. On passe faire les. Ouais, j'ai envie de faire. Faut que je me. Comment on appelle ça là? On va se recenser. Vas-y. On se recense ou pas? Ouais, moi je me recense. Ouais. Bah ouais, nous on a nos papiers, hein, pas comme les Mexicains. Et hey, moi il me faut de l'argent là. Il me faut de l'argent sale, moi. J'aime pas travailler avec la sueur de mon front, moi. Je préfère travailler avec... C'est quoi l'objectif avec, ce soir? Avec la chaleur des... Ouais, c'est quoi l'objectif ce soir? L'objectif, c'est qu'on se fasse de la maille, d'accord? On se fait des contacts et de la maille. Ok, ok. Et une fois qu'on a assez de contacts, écoute-moi bien, on lance toi, le plan proxénète. Ouais, 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 on va lancer le plan proxénétisme. Mais, avant... Quoi? Hé, la tête de homme! Hé, tu crois trop, on est en couple? On va mettre les bases maintenant? Eh, hey, toi t'es rien, t'es un objet, ma gueule. Eh, hey, d'accord. Eh, hey, moi t'es rien pour moi, moi. Eh, hey, moi tu sais, la seule femme qui comptait à mes yeux, c'était qui? Tu veux que je te dise, Mary? C'était qui? C'était ma mère. Arrête de pleurer. Non, arrête de pleurer. Moi, elle lui vient dans mes bras. Ma mère. Hop, la petite main là dans le cul. C'est ma mère, du coup, tu vois ce qu'il va dire? Et là, mais ma mère, tu veux que j'explique qu'est-ce qu'elle... Et là... C'est pas grave. Non, mais je vais te raconter un ça, peu... Maman. Tu veux que je te raconte un peu mon histoire? Parce que je t'ai jamais Vas-y. Raconté mon histoire, ma mairie. C'est vrai que tu m'as jamais parlé de ta mère. Tu veux que t'es pas la même de mon histoire, mairie? Raconte. Je t'écoute. Non, arrête de pleurer, bon, arrête. C'est bon, j'ai 21 ans, mais t'es grand type. Et bref. Mary, donc moi, en fait, je t'explique. Moi, j'avais 7 ans et demi. Là, je vous raconte mon background, les gars, ouais. Écoutez. Hein. J'avais 7 ans et demi, j'étais un... Comment on appelle ça, là? Un nudiste? Ceux qui n'étudient, là, à l'école. Un étudiant. Un étudiant. Un étudiant, ouais, c'est comme ça. Ouais. Bah, après, j'ai arrêté l'école, donc ça sent un peu, tu vois. Ouais. Prends ta respiration. Ouais. Et bref, donc là j'étais un étudiant tranquillement, quoi. Et tu vois, elle va t'expliquer un truc. J'étais un étudiant et là je rentre de l'école. Et là je vois, je toque parce que moi à cette époque-là j'avais pas les clés de chez moi. Et parce que d'ailleurs j'ai jamais eu les clés. Ouais. Et donc je rentre et là je vois ma mère. Elle est en train de crier. Je me dis qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement elle est en train de se faire déglinguer par mon père, tu vois. Ouais. Et pas du tout. Elle se faisait déglinguer par un mec habillé en cuir, masqué, etc. Ouais. Masqué. Ouais. Et moi j'avais je voyais avec des coups de couteau et tout, et moi il l'a buté, quoi. Il l'a buté et, devant moi. J'ai ta mère. Ouais, j'avais que 7 ans, moi. J'étais qu'un pointeur à l'époque quand j'étais petit. J'allais non, c'est l'inverse. Ah non, ah merde. Ouais, non, mais en gros, j'allais pointer à l'école, quoi.
Ouais. J'allais pointer tous les jours à l'école. Et bref, et donc là... mon père, il avait pas les moyens de... Il avait pas les moyens de m'éduquer. Donc il m'a placé en foyer et maintenant je suis avec eux. Je suis devenu majeur et je suis revenu. T'as jamais trouvé celui qui a buté ta mère? Non. C'est le traumatisé. Quel connard. C'est le traumatisé, mais là je vais essayer de le retrouver. Bah j'espère que tu vas le retrouver. Et tu sais, avant tout, faut qu'on fasse quoi? Quoi? Qu'on nique le Kwakubé. Arrête, putain. Putain, faut que j'arrête, putain. Arrête. Ah non, faut que j'arrête, t'as raison que... Non, mais c'est une addiction, tu peux plus t'arrêter maintenant. Putain, voilà, allez... Oh merde, non, faut pas dire ça. C'est un refondant. C'est ça, c'est à cause des maghrébins, ça. Au foyer, j'ai connu des maghrébins. Voilà. T'as appris des mots? Hein, tout le temps. Avec leur sroule. Leur... comment ils appellent ça, là? Sorcellerie. Le sroule. Ouais, le... Que je t'avoue un secret sur ça, Merco. Qu'est-ce qu'il y a? Tu jures que tu gardes pour toi? Ouais, dis-moi. Après, on a... C'est... Oui. Parle-moi dans l'oreille, chuchote-moi dans l'oreille. Ok. En fait... Chuchote plus fort. C'est bon, là? Ouais, vas-y, un peu moins fort. C'est bon, là? Non, chuchote... donne-moi ton oreille. Chuchote comme ça. Ah, vas-y. C'est bon comme ça. Oh, tu pues de la gueule, ouais, gamin, ça sonne les bites. Oh, putain. J'allais dire un truc grave sentimental, mais c'est pas grave. Oh, pardon, non, c'est bon. Ok, dis-moi, c'est bon. Non, c'est trop tard, c'est bon, j'écoute, c'est bon. C'est bon, j'écoute. Raconte-moi. Ok. Ma mère, c'était une sorcière et elle vient d'une lignée de sorcières qui date de génération. Non. De quoi? De siècle en siècle, de Salem. Et Salem, c'est là où les sorcières, elles ont été brûlées. Les salades? Moi, y'a pas de salade à légumes avec moi, ouais. Oh putain, fais un effort. Ok, c'est bon, j'écoute, c'est bon. Et du coup, j'ai hérité de leur don. Et je peux faire des sorts, je peux jeter des malédictions sur les gens. Merci Anès pour le deuxième mois, merci Gil pour le septième mois, merci Squeeze pour le sixième mois, merci Nozen pour le troisième mois, merci Dix pour un sub offert. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, prouve-moi. Bah, tu sais quoi? Ouais? Tu me demanderas de jeter un sort sur quelqu'un et je te montrerai. Ok, on fait ça ce soir. Ah ouais, tu... Ouais. Vas-y, c'est... mais carrément, c'est trop cool, mec. Attends, mais t'as un don, là, ça veut dire? Mais oui, je suis une sorcière. Il faut que tu le gardes pour toi. Et qui est? Dis-moi, qui c'est à part moi, qui c'est? Le prêtre, il est au courant. Eh, parle bien de mon père. Commence pas à parler de mon daron. Non, mais j'ai pas mal parlé de ton daron. Ok, c'est bon, c'est carré. C'est carré. Viens, remettre ta fraise. Et les gars, c'est bien, vous aimez bien le background? Ça, elle est classique en vrai, hein, mais je savais pas quoi faire à part ça. Là. Et d'ailleurs, la scène d'intro. La police! La police! Oh, la LSPD! Ils font quoi, là? C'est comme ça qu'on dit, non? Le Santos Police Département. Oui, c'est ça. Oui. Non, la L... J'ai bien dit, j'ai pas... Attends, non, viens, on va aller voir dehors. Pas dit P-Word, j'ai dit la LSPD. Ah! Ouais, bonsoir, ouais. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour vous. Ouais, c'est nous qui posons les questions, d'accord? On aimerait se faire recenser. Ouais. Mais je veux que c'est possible ou pas du tout? Ouais, c'est possible, ouais. Okay, moi qui pose les questions, c'est pas vous. Hein? C'est moi qui pose les questions, c'est pas vous. Eh bref, on est citoyens, on est américains, d'accord? Nous, on est plus américains que vous, hein. N'oubliez pas, ce sont les épices, là. Ah bon? Ah ouais, vous. Oh, mais putain, mais ils sont tous comme ça ici en ville! Mais c'est quoi cette vie? Oh là, bon, c'est si quoi ce pays là? Madame. Okay, bah, bah, monsieur, là. Oh, il manquait plus que. Eh, hey, mais Mary, tu. Allez, venez, monsieur. Non, mais tu. Mais comment t'as manqué plein de connes? Je suis pas comme elle, hein. Recensement, ouais. Mon voisin, il était comme vous, il a mangé mon chien. Vous allez vous calmer, monsieur? Ouais, ouais. S'il vous plaît, merci. Y'a pas de soucis. Oh, depuis quand les femmes, elles font la loi ici? C'est grave, ça me manque. T'as vu ça? Truc de fou, ça. Je vais rester à la cuisine. Comment vous parlez, madame? Vous avez pas honte? Puis là, vous verrez pas en train de faire un petit gâteau au chocolat, là, au lieu d'ouvrir sa bouche? En attendant, si vous voulez pas qu'on ferme notre bouche et que vous voulez sortir du poste, vous le dites. Hein. Bon, recensement, je m'en fous, je suis recensé. Mais Mary, écoute... Continuez encore à ouvrir votre bouche et on fait pas votre recensement. Écoute le jeune homme. Pas de galère. On fait les papiers, on se casse. Vous avez vos papiers d'identité ou pas du tout? Non, du tout. On vient faire quoi ici? Ah. Non, mais vous avez une carte d'identité? Oui. On n'a pas.
Bah vous vous rendez à la mairie, vous prenez une carte d'identité, je pourrais pas vous recenser sinon. Oh là là, il nous fait chier hein. Allez, viens, allez, bon ça marche, merci beaucoup les gars, merci les gars. Nickel, allez. Vous repassez quand vous avez les cartes. Ouais viens. Allez. Ça ferait un plaisir de vous recenser. Bon monsieur, c'est... Plaisir partagé. Ouais, commencez pas hein. Et retournez faire du mafé là. Allez, ah bon va faire tes papiers toi. Pour un mec qui est vachement américain, il a pas ses papiers. Hein. Ouais. Eh, je les ai perdus, on a plus le droit de perdre ses papiers. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, on a plus le droit de perdre ses papiers, quoi. Oui, oui. On va faire tes papiers. Je le ramène dans une tranchée en Irak, puis il se fait chier dessus. Oh quoi? Viens, viens là, toi. Répète, c'était Cap, c'était un homme. T'as combattu pour les États-Unis, toi? J'ai combattu pour les States, ouais. T'as fait l'Irak? J'ai fait le Vietnam, 3 fois. Ouais. En 40-42. Vu ton âge, ça m'étonnerait. Hein. Vu ton âge ouais. C'est juste que moi j'entretiens ma peau, pas comme vous là. Les... Enfin, vas-y, on se casse, Mary. Mais oui. On se casse. Tu peur de carité là. Le gouvernement a déchu de sa nationalité américaine Floyd House. Toute personne qui collabore contre le pays subiront le même sort. Ça veut dire quoi, déchu de sa nationalité? Tu peux me lire l'annonce là qu'il y a eu? Tu me l'as dit là? Le gouvernement. Tu peux parler s'il te plaît quand tu lis s'il te plaît parce que tu lis pas dans ta tête, t'es con quoi. Le gouvernement a déchu de sa nationalité américaine Floyd House, toute personne qui collabore contre le pays subiront le même sort. Et traduction? En gros, il a comploté contre le pays, du coup il est plus américain. Qui ça? Il a trahi les States. Je sais pas, un mec qui s'appelle Floyd. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je le connais pas. Je croyais que je le connaissais mais je le connais pas. Eh ouais. Mary. Quoi? Faut qu'on aille à la mairie. Je l'ai déjà fait de celle-là, mais elle est bien la blague, elle est bien quand même. Hein. Mais arrête de la recycler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, j'ai une blague, Mary. Ouais. C'est l'histoire d'une mouette. Ouais. Non, c'est bon, elle suit tous les personnages. Ouais, non, putain, j'ai oublié la suite, merde. Ah, fais chier. Ouais, j'ai oublié. Non, mais, non, faut que j'arrête. Bangalaminadaminado. Iya, iya, ouh. Soir. Soir. Plus vite. Ça plus vite. Comment ça plus vite? Dites-moi, voilà dit, plus vite. Qu'est-ce qu'il me raconte quoi là? On comprend pas. Eh, tu nous parles américain? Eh, souka beliet narwe de Poutine, hein, je vous emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu viens d'insulter sa mère là. Ouais, mais moi j'ai joué à CSGO avec des Russes à l'époque. Ah, ouais, bah oui. Le jmi moins connaisse, mais. Pourquoi il a de la latence quand il parle? Non, laisse-le, il est handicapé. Viens, Mary, on va à la mairie. Troisième fois. Hein. Ah, jamais 203 avec quoi? C'est vrai. Mary, là, c'est quand la dernière fois que t'as fait? Que j'ai fait quoi? Bah, ton avis. Putain, j'étais bourré, je me souviens plus. Ah, ouais, c'est grave. C'était ce matin. Peut-être hier, comme il y a 2 jours, comme il y a ce matin, je sais pas. Je sais plus, j'ai arrêté de compter. Eh, jamais 203, jamais 213 par rapport à l'Algérie. Putain, ils t'ont rendu comme eux, ça, les gars avec qui t'as grandi. T'as retenu, hein, c'est bien, t'as retenu. Ouais, je retiens un peu. Salam alaikum. Je rigole. t'imagines que... Ouais, j'imagine. Je vais dire à ton père. On dit pas papa, dis pas papa, s'il te plaît. Ok. On dit pas. J'ai quoi en échange? Je sais pas. On se gague. C'est bon, j'ai ma carte. Mais moi aussi, c'est bon, j'ai ma carte. Ça, c'est quoi à côté? Va voir MP, j'ai fait un dessin de Marco. De Merco. Il y a vraiment des gens qui ont fait des dessins de Merco là? Genre, voilà. Attends, je regarde en même temps qu'on marche. Attends, s'il y a vraiment un mec qui a déjà fait un dessin, c'est une singerie. Quoi? Théma, wesh. Ah le bâtard. Théma, n'importe quoi frère. Là, je pensais qu'elle allait avoir des fanarts. T'es allé ouf. Quoi Koubé? Vous êtes relou chat. Allez, cours un peu là. Monsieur, vous avez besoin d'aide monsieur? Dites-moi pas avoir le besoin d'aide. Eh putain le pauvre, on comprend rien ce qu'il dit quoi. Oh, y'a des gens qui viennent d'arriver.
Ah, mais vous, on vous a vu tout à l'heure, ça va ou quoi, les gars? Putain. Ça va, les gars? Tu nous as pas vu, moi, tu m'as vu, tu nous as pas vu. Ouais, ouais. Moi, je suis un YD, je suis le 5-1. T'as un YD, ça sent les épices ici, ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça sent les épices. C'est quoi, c'est Sri Lankais, ça? Ta daronne est Sri Lankais, ça, toi? Comment ça, ma daronne? Oh, pas ta daronne! On va les couilles, moi. Ah, ouais. Dis-moi, tu t'appelles comment, toi? Mufasa. Eh, Mustapha. La première et dernière fois, tu parles ma merde, d'accord? On va détruire sa bécane, lui, s'il continue à parler comme ça. Touche à ma bécane, t'es dans la merde. Ma mère, ça va la brûler, ta bécane, cousin. Tu sais qu'elle va finir à l'eau, ta moto. Ok, ok. Vous êtes sûrs, les gars? Eh, passe des coups de fil. Restez, vous êtes des hommes, vous êtes des hommes. Restez là. Je suis là, je suis en face de toi, tu vas où? Oui, allô, mon fils d'amour. Papa, il y a des gens qui veulent toucher ma bécane, s'il te plaît, à la mairie. Oui, il a dit papa. Allez. Papa, s'il te plaît, par pitié. À la mairie, faut leur montrer un peu, parce que là, ils me prennent pour une merde. Ils sont combien? Ils sont trois, des afros, un Sri Lankais, il s'appelle Mustapha. Ok, les prospects. Go on va les prospects. À la mairie, vous s'il te plaît. Allez à la mairie, vous allez aider mon fils. Il a un problème. Dépêchez-vous, tout de suite, mairie du Sud. Ils arrivent. Merci, papa. Ça va, les gars? Elle est trop con, hein. Tu t'appelles comment, toi? Putain. Moi, j'abandonne. Ah, sa mère. Tu t'appelles comment? Moi? Tu t'appelles comment, ouais? Toi, tu t'appelles comment, toi? Je m'appelle Mercedes. Mercedes Horton. Ah ouais, mais moi, je m'appelle pas Kem. Toi, t'es un rigolo, toi. Voilà, les gars, ça va lui faire un dossier de mort RP sur lui, rien à foutre. Non, je m'appelle pas Kem. Il touche à la moto, les gars, la tête d'Oham, lui, ça va lui faire un dossier. Lui, les gars, lui, on va le buter dans une semaine. Tu me crois pas, mon gars. Et toi, tu t'appelles comment avec la doudoune? C'est Gazwall, on arrive. Oh, putain, il t'appelle Gazwall, le frérot, c'est une dinguerie. C'est bon, bah là, notre rendez-vous. Là, vous êtes encore en pause, là. Allez, vous êtes des hommes, attendez un peu. Mais c'est quoi, tu vas me ramener tout ta ride de non, de non, non, je ramène juste mon père, parce que moi, tu vois, je suis mineur, moi. Qui quitte ton père? Encule-moi ton père. Ça marche. T'encules son père, t'es sûr que t'encules son père? Ouais, sans plomb. Oh, la vieille blague, tout pourri. Eh, vas-y, vous savez quoi, retournez. Allez à la mairie. Quand vous revenez, vous allez voir. On était en face de toi, t'appelles ton daron. Allez, ils sont là. Ah, revenez! Allez, les prospects! Les gars, ils ont fracassé. Ils ont cassé ma moto, les gars! Tu m'as qui? Eh, les gars, venez, vous êtes des hommes, venez! Allez, venez, venez, les gars. Vous nous prenez pour des merdes, nous? T'as cassé la bécane. Ah, ça sort le point américain et ça dit on est des hommes, hein! Bordel! T'es une omelette, toi t'es qu'une omelette! T'es qu'une omelette, mec! Hein? Tu sors le point américain, connard! Espèce d'omelette! Espèce de fragile! Ah, connard! Ah, les bêtes de merde! Mairie est doublée, mairie! Putain! Enfoiré, ouais. Ah merde, putain, le flop. Allez, viens prendre. Oh, le flop. On va notre rendez-vous. T'es lourd, Merco. Tu vas voir. Ils viennent d'un 4, ils perdent. Ils perdent, hein. Ça sort les points américains et les battes de baseball, hein. Ouais, bande de petites salopes. Laissez-moi vous abattre, de toute façon. Tu vas voir. Eh les gars, moi j'oublie pas les visages. Reviens, tu vas voir. La honte. Tu vas voir quand il revoit ces petits foirés, petite pute. Et moi, ma première arme, ma première balle, je l'ai tirée dans sa tête à lui là. Une balle, je les aligne, j'économise mes balles même. Tes souhaits. Ouais, les gars, merci les gars. Vous allez faire quoi, vous, les prospects? Bah écoute, on va rester avec ton père, ouais. Avec tout le monde, fait le tour des gangs, je pense. Faites le tour un peu. Ouais, toi, ça marche. Quoi, vous? Nous, on va faire les papiers. Hey. Parce que j'ai des couilles, hein. Tu lui as un peu? Tu lui as mis? Non, je l'ai pas mis un peu. C'est pas vidé toujours encore. Pas, tu lui as toujours pas non, mis. Je l'ai pas mis encore. Putain. Va vider des couilles un peu. Allez, champion, on l'a vu. Ouais, les couilles. Là, je vais essayer de la faire bosser un peu, là. Faut qu'elle ramène des sous, parce que tu sais. Ouais, bah ouais. En plus, j'ai appris un truc sur elle. Les gars, faites attention, protégez-vous, elle a des NFT dans le truc. Ah ouais, elle a des NFT. Elle vous jure, les gars, elle a des NFT dans le fiac.
Oh là là. Ah ouais. Oh là 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 là. Moi, j'ai bien. Ça vaut combien? Hein? Deux éthers, ça vaut, non? Deux éthers. Moi, je sais pas, mais bref, tu fais ton truc, tu te retrouves sous terre, quoi. Rock'n'roll, les gars, rock'n'roll. Ouais. Allez, viens, viens. Viens, Mary. Tu parlais pas de moi, hein. De quoi? Tu parlais pas de moi, hein. Mais n'importe quoi, mais qui parle de toi? Ouais, c'est vrai. Y'en a un qui parle de toi, tu me dis, hein. Vas-y. Non, je rigole, je te défends pas, moi. Sérieux? Ouais, bon, viens, on retourne au commissariat. Eh, hey, Mary, quels sont tes objectifs à court terme, long terme et moyen terme? Tu as mon background, enculé. Bah, pourquoi pas, ouais, ouais, bah dis-moi, carrément, ouais. Et toi, c'est quoi? Kwakubé, ouais, je suis trop Kwakubaka. Putain, c'est le millième point de la soirée, stop. Non mais comme ça, là au moins c'est bon, j'ai fait mais mon accompte. Mais tu comprends pas que j'en peux plus. Mais écoute-moi, mec, écoute-moi, mec. J'en ai marre. Écoute-moi, gonzesse, écoute-moi. J'en ai marre. Bon, moi je pense que t'es un peu tendu. Je pense que tes activités principales te démangent. Mais si tu veux, tu peux commencer à nettoyer derrière la plaque. En même temps qu'on roule. Comment ça, nettoyer derrière? Peut-être que ça démange le ménage, mais enfin, je sais pas, moi. Je fais pas le ménage. Ah ouais? Bah ouais. Ah tu fais... Ah oui, bah ok, bah chacun son truc, tu vois ce qu'il veut dire. Moi je suis pas homophobe, hein, y'a pas de galère. Mais bah ouais, normal. Mais vraiment rien à voir. Parti en couille. Hop, attends, parce qu'il arrive bien comme il faut. Hop là, y'en a un qui touche à ma bécane, je l'encule. Viens. Hop là. Oh les gars, ça va être trop bien. Oh, ça va être trop bien. Ça, je suis content en vrai. Tu crois on leur propose ou pas notre business? Qui c'est aux flics? Ouais. Ah, je sais pas. Bah, toi de voir en vrai, hein. Il faut pas que tu dises que t'es proxénète. Ouais, non, faut pas que j'ai merdé tout à l'heure, j'ai merdé, ouais. Eh ouais. On va dire ça aller au gang. Bah ouais, parce que eux, si tu leur dis ça, ils vont arrêter ces connards. Abdoula. Y'a rien de drôle, les gars. Pardon, excusez-moi. Pardon, les gars. T'as dit quoi? Quoi coupé? Eh, si tu veux pas que je t'enfonce un truc dans l'œil, tu vas voir. Non, ça me démangeait, désolé. Eh, tu sais, c'est quoi mon fantasme, moi? C'est quoi? Mon fantasme, moi, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? Moi, c'est l'oreille, hein. L'oreille? Genre quand on touche derrière, là, comme ça, là? Non, mais c'est moi, c'est vraiment de mettre mon queutru dans l'oreille, quoi. Ah! Après, ça, c'est dégueulasse! Ça atteint le cerveau direct! C'est directement! Clac! Dans l'oreille! Quoi. Ah putain, t'es vraiment comme ton père! Ah, j'aime trop mon fond d'écran, ça me rappelle la bonne Amérique! Du jambon, du fromage, du vin! Ah oh, merde, non, c'est la France! C'est pas l'Amérique, ça, c'est la France! Ah oh, merde! J'ai tapé plat de raciste, ouais, ça m'a mis ça sur internet! Merde! Je vais voir dehors! Mais ceux qui mangent ça, vous êtes pas racistes, les gars! Hein, c'est Google, il a dit! Hein. Les gars, c'est Google qui a dit ça. Merci Dark Pompier pour le sub, faut faire. Mais pourquoi Dark Pompier, mon ref? Ça veut dire que je sais pas, t'es un pompier qui met du feu sur le feu? T'as dit quoi? Y'a quoi? Ils sont dehors, viens. De quoi, les flics? Ils sont sur le parking. Ouais. Ils sont où? Ils sont là-bas. Ouais, bah c'est les mêmes que tout à l'heure. Excusez-moi, les flics. Bah rentrez comme si c'était chez vous. Ah je sais pas, non. C'est le raciste. Ah non, on est du nord, nous, je savais pas que c'était... Enfin je sais pas, y'a pas de barrière ni rien, je me suis dit... Parce qu'y'a personne qui est à l'accueil. Vous dit... Oui, bah ok. Bah, on est à l'accueil, vous sonnez et y'aura quelqu'un. Ah non, on a sonné depuis 20 minutes, on est devant et donc là y'a personne qui vient, ouais. Ok, négatif, ça n'empêche pas que vous êtes sur notre parking, donc retournez. Et pourquoi vous êtes aigri comme ça? Ah c'est votre parking? Mais bien sûr. Alors y a peut-être écrit SPG partout, je suis fou. Je sais pas moi. Bah faudrait peut-être mettre des barrières juste. Hein? Mais des barrières. Vous voyez pas le grillage là-bas? Mais non, mais regardez, venez monsieur. Mais je connais mon poste. Écoute-le, il a dit qu'il connaît alors qu'il y a aucune barrière, il est con quoi lui. Je vois pas de barrière hein. Il y a aucune barrière monsieur. Non parce que nous on vient à droite là. On vient de l'accueil. À l'accueil. Y'a pas de barrière, hein. Il y a marqué autorisé de rentrer uniquement avec un agent. Il sait pas lire. Ah, je sais pas lire, moi les gars, j'ai arrêté l'école. Vous savez pas lire du coup? Si, moi je sais lire, mais j'ai eu la flemme. Ouais, c'est que si c'était chub, enfin bref. Ouais, bref.
Enfin bref, ouais, donc on peut, on peut se faire encenser ou... C'est bon, vous avez vos cartes d'identité ou... Ouais, on les a, ouais. On a nos cartes d'identité, ok, oui. Ouais, bien. Merci Biche pour le deuxième mois, merci Ska pour le troisième mois. Merci Wartek. Pour ce faire, et merci Maxo pour le sixième mois. Allez, venez. Non mais tu sais, ils sont un peu supérieurs avec leur plaque, mais ils savent pas qu'avant tous des afros, quoi. C'est vrai. Dans boîte de nuit, là, ou c'est quoi? Faut qu'on aille voir un ophtalmo là pour tes MST là. Ok madame, venez avec moi. Ouais c'est vrai, ira à l'hôpital après. Hé, Mary. Je vais prendre votre pièce d'identité. Donne-toi à fond, fais ce que t'as à faire. Vas-y, vas-y. Ouais, je vous donne ma pièce d'identité. Ça va madame? Oui. Fille. Mais tu... Ouais. J'ai même plus envie de vous recenser. J'ai juste envie de partir carrément là. Oh bon madame, oh c'est bon. Hein, okay, vous voulez partir où? Mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Contre le mur, ouais. Voilà, tu fermes ta bouche, tu te retournes maintenant. Madame, vous savez pas qui je suis. Moi je suis un déglingo, moi vous savez madame, moi j'enferme des enfants. Un déglingo? Moi j'enferme des enfants. J'enferme des enfants dans des cages madame, moi. Comment ça t'enfermes des enfants dans une cave? Hein? Comment ça t'enfermes des enfants? Madame, moi je suis... Comment ça t'enfermes des enfants? Madame, bref, je voulais... En tout cas, pas mal les bzaises, madame. Comment ça, pas mal les bzaises? Vas-y, présente-moi ta carte d'identité, là-dessus. C'est pas tu, c'est vous. Ouais. Tiens, ma carte. Allez, présentez-moi votre carte, nickel. Ah, c'est pas Horton, c'est Kate, je suis en ouf les gars, tout à l'heure je dis Mercedes Horton. Horton, c'est... En fait, c'était le blast qu'on devait avoir. Merde. Par contre, elle le fait très bien. Ouais. Bon, les gars, c'est Mercedes Kate. Ah, je suis con. Vous pouvez parler ou... C'est illégal de... Présente-moi encore ta carte d'identité, s'il te plaît. Oui. Vous commencez par tu ou finissez par vous? Faut savoir, madame, c'est tu ou vous? Mercedes Kate. Banks. C'est quoi ce... Ok. Moi, je vais vous montrer c'est quoi l'Amérique. Vous voulez que je vous dise, madame, mon projet à Los Santos? Mm-hmm. Mon projet, dites-moi. Moi... non, je vous le dis pas parce que vous devrez m'arrêter maintenant, après. Ok, tu habites où? Oumpa, Mécano. C'est l'afro qui joue à l'équipe de France. Je sais pas si vous regardez un peu oui, le foot, ouais. Vous. Non, si, oui, je connais, après, vous êtes plus occupé souvent à faire le ménage que le foot. Pardonnez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Du coup, tu habites où? Enfin, vous habitez où, pardon? J'habite... pas l'habite. ouais, je crois que... Ouais, j'habite sur l'avenue East Joshua Road. Bon, c'est où? C'est à Sandy Shore, c'est où? À Sandy Shore, ouais, juste à côté. Ah, ok. C'est à Sandy Shore, c'est entre... Attendez, c'est entre Grabfield, là-bas, là, et Sandy Shore. Ouais. Là, vous prenez l'avenue tout droit, l'avenue la route 68. On est troisième à droite par la 14. Ensuite, la 15, direction Cergy-Pontoise. À côté de... Je vous racontez votre vie. Et bref, et après, vous prenez directement la N84. Je vais pas savoir. Et faites un détour directement vers... faites attention, passez par l'avenue Low Cost Road. Pas très loin de dans le 95. 95 avenue... Je vais vraiment pas savoir. À part votre numéro de téléphone, à la limite... Ça va trop vite entre nous. Vous dites que noter, madame? Oui, je alors note. Moi, c'est le 5. Le 5. Ok. Le okay. 5. Ok. Le tiré. C'est le 5. Okay. Le 5. Le 4. Le 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, 5, 5, 5. 5, 5, 4, 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, attends. Comment je reprends trop mal les rêves, c'est une dinguerie. Ok, c'est bon. C'est bon. Vous avez permis de conduire? Même vous l'avez pas, j'en suis sûr. Si, je l'ai. Allez, montrez-les-moi. Vous êtes pas de flic, donc non. L'avez pas. Il est fermé, madame, l'auto-école, il est fermé depuis 8 ans et demi. Mais je pense que je vais le reprendre, ce business-là. Et derrière, je vais blanchir de l'argent sale, quoi. Ah bah, super. Faites comme si j'étais pas là. Je vais faire comme tous les trucs classiques. Tu sais, je vais faire quoi? Là, pour les clients, les civils, je vais mettre une entrée. Et derrière, il y aurait une porte cachée derrière un lave-linge.
Et en dessous, il y aura un sous-sol avec de la weed, etc. Enfin bref, un truc classique. Mais... Oh venez. Ah bah ça va, bah, ça sent pas lourd. Ah bah lourd. C'est un personnage sérieux ou pas? Sérieux et ou pas, les deux. Enfin... C'est bon, allez, venez. Je vais me faire respecter un peu plus que Yung Tfu par les civils. À part là, je me suis fait hagar par des mecs. C'est fini pour vous, madame? C'est fini pour moi. Eh ben franchement, merci beaucoup, Fatoumata. C'est vraiment honorable de votre part. Alors, je m'appelle pas Fatoumata, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi. Vous êtes raciste? Ouais, je suis réaliste, surtout américain avant tout. Un bon américain, quoi. Ouais, l'Amérique. Allez, oust. Bah non, du coup, c'est par là-bas, monsieur. Ouais, c'est par là-bas. Regardez, je vous voulez que je vous montre, madame? Regardez, il n'y a aucune barrière directement. Regardez à droite. Regardez à droite. Aucun panneau ni rien. Allez. Ah, vous voyez un panneau, vous? Mais quand même, il y a écrit Speedy. Où ça? Et partout, il y a écrit No loitering. Vous savez, ça veut dire quoi en américain, ça? Eh bah non, bah non, bah voilà, c'est quoi que B. C'est bon, t'es recensé. Petite merde là, hop. Aïe. Ouais, c'est bon, je suis recensé, ouais. Putain, il était en couple, mec. Qui ça? Bah, qui m'a recensé. Ah merde, ouais, mais c'est pas grave, tu peux le tromper, c'est pas grave. Mais... Ouais, mais je lui ai proposé, mais il est beaucoup trop casé pour moi. Ah merde, merde. Il est amoureux et tout. J'aime pas les gens amoureux, ça m'énerve. Ah, mais moi, ça me saoule, cœur. En fait, si moi, quoi. Je suis célibataire, tout le monde doit l'être. Ah ouais, bah non, t'as raison. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Téléphone, c'est bon, ok. Ah, le business, je suis con, moi. Bah oui, faut qu'on mais je suis trop quartiers. Con, moi. Faut qu'on aille voir les quartiers, ouais, c'est vrai. Le bar, faut qu'on crée une soirée ce soir aussi, ouais. Allez. Tu veux qu'on fasse une soirée, ouais, quoi? Ouais, tu sais que papa, il m'a passé le bar. C'est-à-dire, en gros, je suis gérant du bar, d'accord? Ok. Mais c'est pas moi qui ai abosé, ça va être vous. Ouais, normal. Excès de vitesse, lui. Oh, putain. Tu crois que t'es flic? Ouais, non, mais j'ai joué à un jeu vidéo la dernière fois, j'ai encore des réflexes, là. Ah. C'est Flic Simulator sur le web. Et t'as fait quoi dessus? Ben, j'ai arrêté les gens, quoi, tu vois. Ah, tu faisais le flic? Ouais, je faisais le flic. Je voulais voir comment ça faisait, tu vois. Et t'as après, c'est un jeu vidéo, c'est pas la vraie vie, hein. Bah ouais, c'est pas la vraie vie, hein. Oui, là, c'est la vraie vie. Alors, le business. Comment... Ben, viens, on va dans le quartier qu'on a vu tout à l'heure, on va leur demander c'est où les quartiers. Okay. Hop là, oh, je suis désolé, pardon. Oh, ça pue! Eh, hey, t'es pas très bavarde, Mary, hein! Comment ça, je suis pas très bavarde? Comment ça? Mais t'es hyper actif, tu parles toutes les deux secondes! Voilà que c'est vrai en plus! Eh, hey, ben c'est ça, c'est l'entertainment, hein! Eh oui! L'entertainment! Eh oui, et Ah putain! Ah, j'en ai perdu ma salive! Enfin, non, mes mots! Ok, un quartier à gauche, non? Ouais, c'était là qu'on l'a vu tout à l'heure, on a parlé que... Ouais, c'était là. Y'a personne? Avec les Renois, là. Ouais, voilà. À droite. Ah, les gars! Ouais, qu'est-ce que tu veux? Quoi? Ah, les gars, tranquillement. Ouais. Ça va, les gars? Ah, mais c'est qui, toi, t'as qu'à les faire? Comment? Commandant de bord! Salopard chien! Qu'est-ce qu'il a, lui? Vas-y, allez, va te faire enculer, si tu sens ses potes, à quoi tu casses les couilles, hein? Ah, c'est rien, c'est les Noirs, ils sont comme ça souvent. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'ils disent des trucs au pif. Ouais, c'est ça. Ouais, hey, vous allez bien, les mecs? Non, ouais, ça va, et vous? Ouais, tranquillement. Eh, les gars, moi je vous explique, nous là, on est un peu ressortis de nos gronds, nos grés. Et bref, nos gonds. Là, on a un business à vous proposer. Bah, les couilles. Vas-y, bah, j'écoute ta gueule, ces fils de pute. Bon, allez, Non, c'est bon, vas-y. Ne prenez pas au sérieux, nous, on vous laisse, les gars. Non, mais j'ai un tic, j'ai un syndrome, c'est un syndrome de. Ah, Gilles de la Tourelle, on connaît. Non, oui. Sid va derrière. Eh, chef, casse-toi, s'il te plaît. Ouais, c'est pas vraiment un business là. Pour l'instant, nous, on propose des petits trucs tranquillement. Tiens. C'est-à-dire, vas-y, ouais, en plus. Tu vois la meuf derrière, hein? Ouais. Elle va se présenter. Eh, présente-toi, Mary. Présente-toi. Ouais. Présente-toi, je pète un câble là! Attends! Salut, moi, c'est Mary. Tonds-toi, mais c'est pas comme ça que tu vends la matière, quoi. Putain, attends. Ah oui, bah oui. Eh ouais, le cul en face, forcément. Ouais, les gars, je suis là. Mary. Si jamais vous faites chier un soir, je vends mes services. Et comment ça, combien? Ah, tu fais ça à combien? Mais le prix, t'inquiète, c'est après. Mais ça commence à $1000.
ça commence à 1000$. Et la totale. Dis-lui, tu passes la soirée avec, escorte, tout. Je passe la soirée et tout, en mode escorte, j'accompagne partout. Tu prends tout dans l'oreille, dans le... Je prends tout dans l'oreille, dans le nez, partout. Dans l'oreille? Tu prends par le coude ou quoi? Tout ce qui est entrable. Genou? Ouais, genou aussi, pareil. Ok, sympa. T'inquiète, s'il faut faire un trou, on fera un trou, y'a pas de soucis les gars, y'a pas de galère. C'est bon, ça me va, carré. 1000$. Mais tu peux te redresser, t'inquiète, hein, c'est bon, on a vu. Ok. Attends, moi j'ai pas bien vu, vite fait. Désolé, c'est un réflexe. Bref, les gars, c'est bon pour vous? Ouais, vas-y, donne ton numéro. Elle va donner son numéro. Numéro, c'est 1788. Et mon nom, c'est Mary. Voilà. Ça s'écrit comment, ça? M-E-2-R-Y. Eh, et prenez mon numéro, parce que c'est moi qui gère la matière, un peu, tu vois ce que je veux dire? Oh, putain, je vais avoir un réflexe de Young Truc. Traîne devant le club, toi. Tu traînes devant le club, Connor, hein? Ah! Excuse-moi, j'étais en train de faire menacer. Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a, Mary? Je me suis fait mal. Ah, j'ai cru que t'étais en train de copuler avec le chien. Mais c'est pas un chien, putain, c'est un chat, regarde. Oh, c'est la même chose, hein. De toute façon, ça nourrit pas ce truc-là. Non, mais pas ça dans la rue quand même. Quoi? Non, mais je pisse pas dessus. Ah non, j'ai... ouais, bon, enfin, tant mieux, ok. Bah. Ouais. J'ai pensé à autre chose, moi. Non. Putain, le personnage, il est... Le personnage, il est mort. Eh, t'as déjà visité ou pas? Ouais, je suis descendu en bas tout à l'heure. Eh, j'ai même pas visité, moi, comment, à quoi ça ressemble. Attends, viens, il y a une salle secrète, vous savez. Une salle secrète? Attends, non, c'est pas là, c'est la deuxième. Ah ouais? Attends, montre-moi pas, je vais la découvrir. Je dois la trouver. Ok, trouve-la. C'est pas facile, c'est pas compliqué aussi. Putain, mais où est-ce qu'elle est, la salle secrète? Ah putain, où est-ce qu'elle est? Bah c'était là. Mais non, je dois la trouver, dis-moi pas. Mais t'as trouvé déjà? Non, j'ai pas trouvé, mec. Où est-ce qu'elle est? Trouvé. Attends, elle est incroyable. Attends, j'ai une salle secrète. Putain, y'a qui? Ton père. Allô, ma binge. J'arrive. Oh putain. Oh merde. J'espère que j'ai ma binge bien fraîche quand j'arrive. Sinon, autrement, je fais un... Ouais, je fais un bras de fer avec un genou. Mais elle est là, ta binge. Elles sont les gueuses, là. Tiens. Putain, elles sont jamais là quand bah il faut. Ouais. Et le VIP, il a pas le droit à s'habiller. Ça te fait pas mal au fait. Sais pas comment je vais les chauffer tes mains demain. Heureusement qu'elle est là. Oh, les gars, ça va? Eh, rock'n'roll. Ouais, rock'n'roll. Ça va? Ne fais pas le malin parce qu'on a appris des trucs. Ne fais pas le malin. Putain, papa, c'est dingue ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais, raconte. Qu'est-ce que t'as branlé? Eh, on va à la mairie. On va aller à la mairie faire nos papiers. Il y a un mec qui. On dit bonjour, ça va? On a des trucs à vous proposer. Je voulais proposer le business, toi, de Mary. Tu vois? Et là, c'est pas quoi les afros? Je commence à leur dire, ouais, ça sent les épices. Bah, c'était vrai, papa. Papa, ça sentait les épices. Ouais, ça sentait les épices. C'est normal que. Et après, ils commencent à sortir des battes direct. Et moi, je leur dis, ouais, vous allez faire quoi? Et après, il dit, ouais, ta moto de merde. Je dis, y'en a un qui touche à ma moto, je l'encule. Et ils font quoi? Ils touchent à ma moto. J'appelle les prospects. Enfin, je t'appelle toi, ils t'envoient les prospects. On s'est battu. On s'est battu à la mort, mais ils avaient des battes et des trucs, des points américains. Alors qu'ils sont pas américains, tu vois. Ok. Donc après, ce que j'ai fait, moi, il y en a un, il se l'est mis KO. Je lui ai mis mes fesses dans la tête et je lui ai chié dessus. Ok, d'accord. Ouais. Je leur ai montré qui on était, tu vois. C'est bien, c'est marrant, c'est pas la version que j'ai entendue. Hein? Attends, pouce! Putain, qu'est-ce qu'il a fait? Les gars, allez m'attendre à la table, je vais parler. Allô, c'est bon le micro? Putain, désolé les frères. Excuse-moi, papa. Ouais. Ça sent le roussi, ça. Bien, mon fils. Ouais. J'entends. Salut, ouais, dis-moi, ouais. Occupe-toi d'aller trouver une position, s'il te plaît, tu nous l'envoies. Dans le nord de préférence. Ouais, bravo. Wesh, le roux. Mais par contre, vous savez que la montre, ça sent de l'art, je peux même pas. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu t'arrives. Mais pap, c'est moi, je te... Eh, je te jure, genre c'est en train de mentir. Dis quoi? Mais non, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, en ce moment, je repense à maman, tu vois. Tu repenses à maman? Tu sais que c'est mauvais de repenser à sa mère, faut accepter le deuil. Oui. Ça fait pas mal de temps, en plus. Et toi, papa, qu'est-ce que t'as fait depuis ce temps-là? Hein, tu m'as envoyé en foyer, c'est tout? Je pouvais pas m'occuper de toi, fils. Hein? Tu sais à quel point je suis désolé. Ben ouais, de t'avoir envoyé en foyer. Je suis vraiment désolé, mais j'étais obligé. J'ai ce club-là à tenir. Là, maintenant, t'es grand. Et je te promets que tu vas devenir un homme et tu vas me succéder.
Mais ouais, moi j'ai envie de te sucer aussi, mais faut que j'ai envie de devenir. Succéder. Oui, oui, moi aussi. Oui, non, j'ai envie de me succéder, moi aussi. Ouais. Ah bah oui, mais oui, mais. Mais arrête. Mais promis, promis, c'était le dernier mensonge. C'est toi qu'on va appeler Lesnar bientôt, d'accord? Eh, c'était le dernier mensonge, papa. Mon fils, oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa, moi aussi, mais. C'est... Mais parce que moi, j'aime pas quand on touche à ma moto, tu vois. Tu veux qu'on aille dans la tombe de maman après? Voir la tombe à maman? Ouais, 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 je veux bien, ça. C'est... Faut rendre visite aux morts quand même un peu. Ok. Oui. En attendant. Comment ça s'est passé ton histoire avec Mary? Eh, hey, donc là, ce qui s'est passé. Là, on t'as rapporté de la thune ou pas? Pas un cœur, en fait, là. Là, on est en train de. On est en train de prendre le business un peu. On pose un peu nos numéros partout. Ouais. Et après, ouais, on va faire ça, ouais. Mais j'ai eu l'idée de faire une soirée, la soirée, là. Et ben voilà, une bonne idée. Ta mère, merci pour le troisième mois. Merci beaucoup, ta mère. On va interdire les Mexicains de rentrer ici. Je te le dis déjà. Ah ouais? Et la porte du bas, interdit pour tout le monde. Pour aller en bas. Porte du bas, interdit? Ouais. Et les Mexicains, interdit? Et les Mexicains, interdit. Et pourquoi? Bah parce que c'est des Mexicains. Hein? Et j'en ai croisé des sympas, moi, en vrai, tout à l'heure. Ouais, mais c'est des Mexicains, ils font semblant. Ah ouais? Je te promets. Ouais, mon fils. Ah, ne fréquente pas de Mexicains. Ah, t'as sûrement raison. Bon, écoute, après on va sur la tombe de ta mère, toi et moi. J'ai quelque chose à te dire. Ça va peut-être te bouleverser. Oui. Peut-être changer toute ta vie. Mais c'est pour toi que je le fais. Ok. Je te dis ça après, d'accord, mon fils? Ok, ça marche, ça marche. Ok. Les prospects, ouais, vous faites quoi, là, vous trois, là? On a cherché des bières, là. On attend. Vous allez chercher des bières? Oh, ouais. Les gars! Voilà que cette boisson-là, elle est miraculeuse, cette enfant-là. Mais elle est incroyable. Ouais. Yop. Ok, ouais. Attendez deux secondes. C'est pas une OP, hein. Mais c'est une dinguerie. Validez-vous ou pas? Presque, parfait. Là. Écoute, mon fils, tu vas partir avec les deux prospects. Ouais. Je te laisse une chance. Ouais. Pas ouf. Vous partez avec les deux prospects. Ok. Et vous allez essayer de nous récupérer des armes blanches. C'est bon? Ok, ouais. Ok, ouais, ça marche. Et... Ça Gasoil, oui. Tu gères les troupes. Ça marche, Peps. Putain, mais pourquoi tout ton casse-tête? Ça va, les gars, ou quoi? Non, là, je suis énervé, là, Team Vanny? Ah ouais? Frère, ça pue sa merde. Ah, je sais pas, c'est mon daron, il a acheté. T'es en train de dire que mon daron, il a acheté de la merde, ça? Mais où les chiottes dans ces putains? Ouais, moi, je chie dans le trottoir. Allez, ah, salut! Bonne soirée, on va pas tarder à organiser une soirée. Si vous voulez repasser après, n'hésitez pas. Ah ouais, mais tu vois, je suis pas sûre, je suis une femme, je suis pas sûre d'avoir ma place ici. Si, t'inquiète, mais si t'as la place, t'inquiète! Non, je suis pas sûre. Bah, c'est vrai que la place de la femme avant tout, c'est la cuisine, quoi! Joe, viens voir, j'ai pété un câble. Non, mais tu sais, c'est à la base, mais après, on t'invite, quoi! Ok, c'est plaisir bien. De pas vous revoir alors. Ouais, et après, c'est 200$ l'entrée, mais vous faites ce que vous voulez avec Mary, hein. Vous lui mettez de la touche, il peut pas. Vous êtes des malades, non? Moi, la pauvre Mary. C'est quoi le prénom de la petite dame? Ah, mais qu'est-ce qui vous... Eh, hey, mais c'est un truc de fou, vous m'agacez. Arrête. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous aimez mais pas les femmes? Mais sort de ses grands, quoi, les gars? Eh, t'as vu ça, gamin? Un collègue? Comme... Quoi? Elle sort de ses... Putain, c'est quoi cette dégaine que t'as? Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma dégaine? Elle est bien? C'est quoi ces chaussures d'empereur romain, là? Oh, regarde ses chaussures! Ses chaussures! Oh putain, ça sent. On dirait une prof d'histoire! On dirait qu'elle vient du marché là! C'est quoi ces chaussures de merde? Tu vas conquérir Rome! Piqueur de mort! On sent joli ma chaussure! C'est quoi cette tête de chips là? Oh, Théma, c'est tout plat! Ça change de moi hein! Bah ouais, on a pas. Je peux plus te voir, tu peux pas t'encadrer, je peux plus te voir! Qui c'est moi? Non, pas toi là, la femme! Il est où mon père? Si, encadre mec! Allez, les prospects, on faut. Et où Gazwell? Toi, t'es mal au cadre, par contre. Eh, Gazwell, faut qu'on se bouge là. Ça va sur plot, quoi. Ouais, non, mais attends, on est allé voir parce qu'on a pas assez pour prendre des armes blanches à tout le monde, quoi. C'est 450, une hachette. C'est où, t'as vu ça où? On a même pas 450. Bah, je suis déjà allé Youtool là tout à l'heure. Youtool? Mais ouais, c'est là où elles sont les hachettes. Putain, comment on se fait une petite superette? Je sais pas où il est. Pourquoi pas, ouais. Superette, ça peut rapporter combien, les gars? Ça rapporte 1000$, même pas, on pourra en acheter deux autres. Mais non, mais moi, je pense le prise. Il veut un contact seulement. Il veut un contact. Ouais. Ah, non, on n'achète pas au Youtool. T'as besoin de contact. Bizarre. T'as raté quoi? Oh, t'as raté toute l'intro, j'avoue. T'as besoin de contact. C'est genre pour des armes à feu que t'as des contacts. Eh ouais. Et je pense on va vendre Mary contact, Oui. Pourquoi ouais, pas. On peut la vendre, hein, ouais. Ouais. Ah, mais attendez, les gars, mais c'est. Eh Quoi? Mais on fait quoi? Et on achète où les armes?
Bah pour le moment moi chez YouTools, après la batte de baseball, je sais plus où c'est. Et ouais, pour moi je sais juste pour les hachettes, les battes de baseball, peut-être les petites biches. Mais putain je sais même pas. Ok, ok. Ouais. Mais c'est pour ça en fait là il faut juste plus d'argent. Ah c'est vous qui gérez les gars, hein. Moi c'est Gasol, ouais, il a dit, hein. Il a dit Gasol c'est le chef, hein, il a dit. Gasol, il gère pas. Les gars, vous savez que ils se sont trompés de mapping. Enfin je crois que là, les Red Rose, Hollande, c'est un autre gang. Gasol. Ouais. Ouais c'est moi ouais les gars. Tu sais très bien, Gasol, tu sais très bien qu'il est mauvais. Petite pute. Il est mauvais. Qui c'est Gasol? Oui, Gasol, c'est un frère, hein. Ouais, ouais. Tu sais très bien qu'il fait toujours des problèmes. Ouais. Qui est mauvais, quoi. Mais c'est une merde. C'est pas bon. C'est pas merde. Mais n'importe quoi, les gars, on est tous des frères avant tout, les gars. Merde. Mercedes, t'es con comme un manche ou quoi, là? T'es con comme un manche. Mais bah oui, merde, Mercedes, t'es con comme un manche. T'es con comme une pite. Comme une putain de bête. Eh, bref. Les gars, il faut qu'on aille prendre des machettes. Oui. Attends, mais tu sais où sont les machettes? Bah non, je sais pas. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver des armes là? Bah, Bah, ouais, frère, mais attendez, mais. Les hachettes ou YouTube. Bah, ils sont en réunion là. Ils sont en réunion là? Eh bah, ouais, ils sont sur la table là en bas là. Je vais pas les déranger là. Je vais pas déranger, je vais écouter. Merci Drazix pour 4 et moins. Putain, mais ouais, les gars. Je crois que je vais devenir le chef des prospects. Ouais, papa? Oui. Ouais, bah, il. Gasoil, il sait même pas où est-ce qu'on prend des armes blanches. Mais en gros, ça veut dire que prendre des armes blanches, les gars, c'est quoi? C'est soit aller au YouTube, normalement tu peux acheter des trucs, soit aller racketter des gens et tu récupères leurs armes blanches et tu les encules. Ok, c'est si parfait, on fait ça. Un truc, tu dis je te baise. Ok, on fait ça. Par contre, Mercedes, oui. La prochaine fois que tu rentres à la table, tu toques. Ah, pardon, les gars, pardon, excusez-moi. Toque avant d'entrer, merde! Pardon, merde, excusez-moi, les gars! Allez, fous le camp, là. Ah oh, c'est carré. Mais merci Pitaya pour le prime. Sur l'épreuve de la fauche. Ok les gars, y'a un plan, venez, y'a un plan. Attends, Mercedes, là. Ouais. Mais bon, on verra ça pour plus tard. T'as dit QL, hein. Venez. Venez les gars, venez, même les meufs. Y'a un plan les gars. Ça va être génial. C'est quoi le plan? Prenez vos motos. J'en veux deux par moto. On est combien? On est 4, 5? Ok, toi t'es un full patch toi. Qu'est-ce qu'il y a? Y'a une réunion là en bas là, collègue. C'est le sergent d'armée. Y'a pas de problème. Tu vas faire quoi? Moi je suis le fils du prêtre, tu vas faire quoi? Elle te cherche ta gosse. Je t'encule moi. Ok, c'est bon les gars, c'est bon, ok. On t'a prévenu, bordel. Donne-moi ton père, je t'encule. Papa, t'as entendu papa? Tu l'as entendu? Il vient de dire le père, je l'encule. Dis-lui maintenant, dis-lui dans les yeux. Mais dis-lui dans l'œil. Tu parles derrière mon dos. Tu parles derrière mon cuir. Non, tu parles derrière mon cuir à mon fils. Oh là 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 là. Quoi? Oh mon dieu. Le pointeur, je suis mineur les gars, au cas où, hein. T'es cuir mineur. Ça va chauffer. Enfin non, je viens de voir la majorité que papa. Mais majeur. Oui, majeur. Écoute, je vais pas te demander de t'excuser parce que t'es un homme dur. Cuir. Je vais juste te demander maintenant d'arrêter de me regarder dans les yeux et de regarder un autre de tes frères. Parce que sinon, tu sais très mal comment ça finit toujours. Oh mon dieu. Oh, provocation. Oh bah t'as deux regards, regardez-moi les gars. On va partir en couille. Régler ça comme des hommes. Mais monte ses bras et tout, oh putain. Oh, ça va gagner là. C'est quoi? T'as parlé mal de mon fils? Rendez-vous à 12h30. Sur le toit du club. Voilà. La castagne, c'est ça qu'on veut. Pisse de pute, ven. Si je perds, si je gagne, tu dois accepter à minuit. Ma prochaine demande, coûte que coûte. Merci à toi pour 4 et moi. Même si je te demande une pisse. Wesh. Ok, je sais. Wow. Si je gagne, ouais. Coupe les cheveux. On voulait pas faire ça juste après le rendez-vous. D'abord le rendez-vous et après on règle ça. Oh là là. Ouais. Allez, on va au rendez-vous. Allez, venez, bon. attends, venez, on va pas. Allez, les prospects, restez là, nous, on va faire un plan pour les armées blanches. Mais bien sûr. J'ai un plan, les gars. Bah, deux par moto et puis on est des. Est-ce que vous avez des max? Ouais, moi j'en ai un. Sortez vos max. Mettez vos max. Eh, Mary, tu vas venir avec nous, Mary, hein. Ouais, je viens avec vous, Eh, Mary, mets pas ton max. Prenez plus de monde possible. J'en ai pas. Eh, pas besoin de max, ça y est, on est pas des salopes. Ok, les gars, on est combien? On est 5? Oui. Ok. Bon, ceux qui veulent mettre des max, mettez des max. Non. Eh, on voit un mec dans la rue,
on l'attrape et on lui dit que t'as une arme blanche. S'il en a une, on lui prend. Voilà. Ouais, c'est mais tout. D'abord, ouais, vous lui posez la question, après vous le frappez. Non, d'abord on l'attrape. Ensuite, on prend, ensuite on frappe. Bonus, okay. Commandant Mir, bonus les refs. Allez, c'est parti. Beau, les gars. C'est parti, ouais. Par contre, le offret, j'aime bien. Parce que je suis pas de bacon. Vas-y, moi je mets un max. Moi, moi c'est pas grave, je m'en fous. Ouais, ta gueule. Ouais, si, ils ont un peu d'argent, on leur prend 52 là, un truc comme ça. Ouais, ouais, voilà, on prend, on prend le masque. Enfin, ouais. C'est quoi ce froc de ricain que t'as là? Qui ça? Allez, ma bacon. Non, pas toi. Moi. Ouais. Ils t'ont pris ta bécane? Moi aussi, ouais. C'est du free loot, non? Ah, je sais pas, je sais pas. Je vais niquer des mères. Mais là, ils ont pas pu te voler. Ah, c'est bécane. Ah, je sais pas, non, je pense pas en vrai. C'est du racketage, en vrai. Free loot, c'est quand t'as pas de raison, tu prends comme ça. Free loot, c'est ça, genre. Je fais clic droit, je le fouille et je lui prends. Oh, il est trop stylé ton masque. Qui c'est mon masque? On verra ça plus tard. Bah ouais. Ouais, j'aime bien, j'ai fabriqué avec un cuir. Ok, les gars, rock'n'roll! Attends, pas rock'n'roll tout de suite. Free loot quand même, BG. Ah bah, la pub bécane. Bah, franchement, je sais pas. Hein. Attends, c'est pas ton père. Franchement, les gars, je sais pas. C'est un staff qui t'a dit ça. Je crois qu'il est plus staff. Mais attends, il mais parce qu'il a plus le temps de faire le staff. Ou pas le prospect? Attends, s'il faut que je vois. Bah, lui, de base, il avait la pour moi, c'est du racket. Je vais voir avec la mécano si elle peut me. Et les deux derniers bécanes, c'est à qui là? Bah, moi, c'est pas. Après, c'est le président qui me l'a dit. Donc, moi, du moins, je respecte en RP, hein. Bécane, c'est plutôt la base. Pour moi je peux hein, moi les gars, pour moi je peux. C'est du vol, voilà. Je l'ai mis là, là-bas. Attends, recule. Regarde sur le toit, là. Quoi, sur le toit? Eh hey, les gars, faites vite, là, moi, j'ai pas le temps, moi, je vous emmerde. Attends. Mais quoi, y'a rien. Les gars, je prie aussi un Capricorn pour la soirée. Alors Capricorn, je crois, y avait une histoire, y avait des poissons dans leur jus. Et j'ai pris ça aussi là. Des gaufrettes à la noisette. Allô? De chez la marque Lidl. Ah voilà, je crois c'est elle. Ah non, c'est pas elle. Que un? Comment ça que un? Ouais, camionnette, ça se voit, elle consomme à la mort. Vous faites des tarifs des plus loges ou quoi? Ouais, je fais des tarifs des plus loges, c'est 2000. Ouais, je suis prêt là, j'ai envoyé la position. Mais c'est pas en mode comment dire, un starter pack? Bah, si tu veux, il y a starter pack, tout, il y a des pucelages et découverte de la vie, ça fera 3000$. Wesh! Wouah, 3000$, ça fait cher. Non, 2005, on s'arrange. La capote est fournie ou pas? Mais 2005, on peut s'arranger, je te fais un prix d'amis. Et dis-lui, on fait 100 parce que t'es mignon. Et on fait 100. 2250 et. Pas de bisous sur la bouche. Pas de bisous sur la bouche, il faut que t'aies un couteau parce que j'en ai besoin, ça m'excite. Ah ouais? Ouais, ouais. Quand tu me le mets sous la gorge. Carrément, j'ai une machette. J'ai un Glock. T'as une machette? Il a un Glock. Oh, c'est carré! Okay, okay. Oh, c'est carré! C'est carré! Okay, on Glock. On se voit où? Mais du coup, faudrait voir le prix, hein, si j'ai un Glock. Non, mais t'inquiète, 2500 pour l'instant et après on s'arrange. Vas-y, on se rappelle tout à l'heure, ma puce. Vas-y, tu m'appelles quand t'es libre. Vas-y, sexy lady. Oh, putain, les gars, on va être riches. Ok! Les gars, on va être riches. Et toi, t'as pas de moto, toi? Non, j'ai pas. Mais c'est pas grave, je vais voir avec la mécano là, allez, sors-moi. Vas-y, c'est merde, je vous envoie un message. Vas-y, quand vas-y, moi je t'en prie. Attends. Eh, on est combien environ là? Il faut combien de trucs? Bah, Eh, les mecs, on est combien environ, les gars? Bah, attends, si on écoute les meufs. Plus toi, plus nous, on est à peu près 17, 18, 19. Tu peux pas parler moins fort, t'entends pas assez. L'inverse, du coup. Non, ouais, je suis court, moi j'ai raté des câbles, vous savez. Parce que ma mère, elle est morte, les gars, en fait. Arrête de dire ça. Eh, parle de ma mère. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il disait, on en compte à peu près une vingtaine. On va dans le sud. Pour être sûr. Venez. Une vingtaine? Donc là, faut qu'on. On aille racketter 20 personnes là environ? Bah, dis-toi, si on compte tous les mecs du club, plus les meufs, plus toi, on est à peu près 20. Oh putain! Mon numéro c'est 1788 et mon nom c'est Mary M-E-2-R-Y. Tu peux une pause en fait. Il fait des onomatopées. J'appelle Mary. Ah ok. Oh putain, regarde là-bas, y'a quoi? Les gars, maintenant, go. Eh, bouge plus. Tu te retournes, on te colle la balle, d'accord? Regarde en face. Ça va être simple. Tu t'appelles comment? Il y a couteau sur toi là. Isaac Flores. Toi, t'es un vendeur d'armes, toi? Ouais. Ah ouais. Eh, bouge pas, t'as quoi sur toi? Attends, je te palpe un peu. Eh, c'est un couteau que t'as là, Isaac? Eh, Isaac, c'est un couteau que t'as là?
Un seul qu'il faut, abusez pas. Non mais là, on prend rien. Je te prends ton couteau, d'accord. C'est la rançon pour nous avoir écrasé. Ouais, t'appelles la tarte, je l'emmerde, t'appelles la tarte des cœurs. Je te prends ton couteau. Isaac. Ouais. Hey, dis-nous. Tu vends quoi comme petite derme, toi? Ouais, la totale. Eh, hey, tu parles plus fort, merde! La totale. Ah ouais? Ouais. Si je veux un pompe, là, je me le vends. On se connaît pas, donc non, je vais éviter de donner un pompe. Ok, ok. Isaac, donne-moi ton numéro, Isaac. 5740. Ah putain, j'ai oublié mon code. Eh non, là, t'inquiète. Attends, c'est quoi mon code déjà de téléphone? Ah putain. 000. Ah, c'est 000. Oh putain, j'ai oublié mon code. Attendez, faut que je réfléchisse. 1, 2, 3, 4, non? Eh bref, eh les gars, prenez son numéro, les gars. Je réfléchis à mon code. Oh les gars, j'ai oublié mon code. C'est un truc de raciste. Attendez, j'ai oublié. Ah, 49-3. 49-3. Ah, c'est 49-3. T'es un Macron. C'est ça, ça. C'est 49-3, les gars. C'est... Ah, c'est 49-3, c'est carré. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon code, les gars. Je suis trop intelligent, les gars. Bon, Isaac, ça va être simple. Nous, on est là pour le business aussi. Les gars. Ok. Oh, tu peux te retourner. Oh, regarde ma belle tête. Me présente. Putain, mais t'es mignon, toi. Ouais. Oh. Appelle-moi Merco. Quoi? Quoi? Merco, fils du président, d'accord? Merco. Ouais, Merco. Merco, Merco. Non, les gars, je suis pas con, les gars, je suis pas con. Mercedes, Mercedes. Eh, ça va être simple. Ma cousine qui s'appelait Mercedes, elle est partie hier soir. Ah ouais? Parti où? Je savais que ce couteau lui appartenait parce qu'elle me l'a donné. Elle est partie, elle est retournée en France. Ah ouais, merde, ah ouais, putain. La France, la bonne franquette, quoi. Eh, ça va, j'aime bien, moi, la France. Hein. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Mary, ça va? C'est le chat, il m'a mordu, ce connard. Le chat? Ouais. Ah mais merde. Il est trop mignon, là, touche le pas, s'il te plaît. De merde. Attends, maman, il est trop mignon. Écartez-vous, je m'occupe du chat. Allez parler à Isaac. Chat de merde, va. Chat de merde, va. Toi, tu touches à ma gonzesse? Eh, j'ai typé comme les noirs. Mais à la limite. Après, ça où? En Afrique. On va appeler un peu plus tard et on se fait un petit rendez-vous. Vous êtes tous les quatre? D'autres copains, peut-être, non? Ouais, ouais, on a d'autres copains. Ouais, faudrait qu'on en discute justement du business. Ouais, je pense que ça peut vous intéresser. Et dis-moi, Isaac. Ouais. Dans le. Tout ce qui est argent. Ouais. T'es un peu dans le business de l'argent ou pas? Comment ça? Imagine, je fais rentrer des grosses sommes en grosse quantité et que j'aimerais les faire déclarer. Tu sais que tu parles exactement à la personne parce que je suis le seul à le blanchir en ville. Oh putain. Oh là là. Mais t'es le seul à tout faire en fait. Oh là là. Non, mais donc là, les gars, on est tombé sur une Jana Jones. C'est grave ça. Non, mais c'est nickel parce que nous, on en a besoin pour le business, d'accord? Et Zach, on s'est rencontrés sur un malentendu. Ouais. Mais je pense que c'est malentendu. Exactement. C'est le destin. BFF. C'est le destin. Des BFF maintenant, ouais. T'aimes. Bon, on serre la main. J'ai mis que t'étais un vendeur d'armure et un blanchisseur de l'or. On serre la main. Mais bon, on a un business de psychopathe à te proposer. Allez, gavé, okay. On se pète. Pour le blanchiment. Oui. Ouais. Pas moins de 100 000 dollars. Et en dessous de 500 000, c'est 30%. Au-dessus, 25. Et au-dessus d'un million, 20. Putain, inflation de merde. Ouais, il nous fait une 70-30. Ça me fait penser à la plateforme, la Twitch. C'est quoi là, ouais, les trucs de jeu? Twitch. J'ai des potes allés au foyer, ils jouaient à ça à Twitch. T'aimes pas cette plateforme? Ouais, bah j'aime bien, mais. Leur pourcentage de merde là! Je déteste! Ils balancent des pubs, ces connards là! 50-50! Et les impôts après! Et ta gueule, toi, ta gueule! Mode quoi! Allez, venez les gars, on se pète! Putain, on est tombé sur une perle rare! Attends, mais c'est dingue! Eh les gars! On est tombé sur quelqu'un d'incroyable! Eh, venez, on va. Bisous. On va trouver quelqu'un d'autre. Père, parce que vous savez, moi je. Ouais. Pas de soucis. Mais on est inoffensif, hein, vous inquiétez pas. Ouais, on est inoffensif. Et je voulais savoir. Directement 3, 2, 1, les gars, bougez plus! Personne ne bouge. Personne ne bouge. Ça va, tranquillement, bougez pas. Eh, chacun va sur quelqu'un, d'accord? Eh, c'est bon, moi j'ai lu. Nous, je vais sur la jolie madame. Eh, on veut simplement un truc, d'accord? Est-ce que vous avez des couteaux à nous donner ou pas? Allez, gars! Couteau, arme blanche. Attendez, je vais pas vous avez pas d'arme blanche. J'ai pas le. J'en ai un. T'en as un? Attends. Pourquoi tu le. Oui, tu peux m'affouiller. Je prends rien, je te prends. Tu vas essayer de me frapper. Elle essaie de me frapper, les gars. Arrêtez de crier, les gars. Arrêtez de crier. Dis-moi tout. Ouais, moi j'en ai un, là, prends. Hein? J'en ai un, moi, prends. Parce que moi je recherche des couteaux là.
Ouais, je vais pas te mentir, il est à moi, donc... Il est à toi? Ça va être compliqué. Hein. Il est à toi, il est à toi? Il est à moi, il est à moi. Si je te le prends, tu vas faire quoi? Je te mens pas, tu veux le prendre, prends-le, mais après, assume jusqu'au bout. Ok, je le prends, merci. Assume, bah, attends, je t'encule, toi. Mais bah, de quoi, lui? C'est bon, j'ai pris. Bah, tu l'as pris? Ah, c'est ouais. Bon, bah, bien joué, collègue. Ah, de quoi? Parfait. Il me fait de la peine, le petit Shintok, mais fou, quoi, lui? On peut savoir à qui on a l'honneur de parler. Tu parles à ton pire cauchemar, enculé. OSO. Oh, la veille, ah, oui. OSO. Tu revendiques clairement SO, attends. Il est trop con. Tu fais pas vraiment partie des SO, attends. Moi, je fais pas partie des SO, moi. Un petit prospect. Il est con. On dit ça. Non, pas en moi, j'ai juste qu'il a écrit. Je me suis fait une nouvelle amie, Merco. Je suis un prospect superbe. Ah ouais? Vas-y, rends-moi le couteau, tranquille. Non, je vais pas prendre le couteau. Eh, rends rien du tout, vas-y, venez, on se casse. Les gars, vite, on se barre. Jaco, Jaco, on se rattrape. Jaco, de merde, partez de là, ouais. Eh, venez, vous là. Eh, les deux prospects, venez. Tu m'as dit quoi, Mary? Je disais, je me suis fait une nouvelle amie. La chinoise? Ouais, elle est trop gentille. Mais t'es malade ou quoi? C'est des étrangers avant tout, hein. Elle est horrible. Ouais, mais elle a l'air mignonne. Eh, attendez, venez. T'as vu ce qu'il a? Attends, mais c'était ouf, les gars! Comment ça, je revendique SO1? Mais non, mais c'était ouf! Eh, mais les gars, revendiquez pas SO1, vous êtes des fous, quoi! Pourquoi? On a pas de tueur, on a rien! Mais non, on revendique pas tant qu'on est nul! On est des hommes ou on est pas des hommes? Oui, mais là, non, on est des omelettes et là, faut qu'on soit bien cuit! On est sur la route d'un œuf cuit! Là, okay, on est cru, okay. On est une omelette, t'as vu la omelette quand tu la mets dans le bol et tu la touilles? Ah oh merde, j'ai pris l'accent une fois là. Ouais. Tu la mets dans le bol, tu la touilles. Je sais pas, moi c'est ma femme qui me fait bouffer. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes, mais c'est vrai, je suis con. Ok les gars, bon, on continue. On refait le stock là, on en a deux. Ouais, là on a deux couteaux. Ah putain, bien joué. Putain, j'ai encore des réflexes, merde. En face d'arc. Au bout d'un moment, dès qu'on va tous avoir des couteaux, ça va être trop simple de les braquer. Bah oui, clairement. Déjà, on en a deux. Mais là, on est en train de se faire des ennemis de ouf. On s'en battrait pas un peu. Ouais, mais c'est le but. Ouais, c'est vrai. En plus, surtout s'ils sont dans la place qu'ils parlent. Ah putain, un ouais, c'est vrai. Comme ça, merde, s'en battait quoi. Ça, après, au moins, ils nous connaissent. Le mec où on a pris son couteau, il a failli pleurer pour un couteau pour de ça, les gars. Il commence à dire, Ah ouais, mais c'est mon couteau, vous êtes sûr? En mode. Ça se sent quand. Mais il l'a pas dit, hein. Tu vas où là? Je sais pas, je cherche des gens. On cherche, hein, quoi. Tu devais pas aller à Vespucci, là? Merci, Josh, oui, merci, mon frère. Vespucci? Mais oui. C'est le truc que tu m'as dit tout à l'heure. Ah, ouais. On va là-bas pour voir, c'est des langues. Digolé. Vas-y. Ah, oui! Mustapha. Ah, ouais. On va prendre un Mustapha? Non, pas Mustapha, il saoule, lui. Justement. Ouais, et une voiture en face qui bombarde. Vas-y, go. Ah, non, elle va trop vite. Ah, si, quoi que, on peut l'avoir. Ouais, y'a des flics à gauche, on leur essaie de leur prendre. Ouais, je suis. Ah, compliqué un peu de l'avoir. Ouais, alors les gars, attendez. Donc, À gauche, peut-être, non? Ouais, je sais pas, je joue pas trop. Ouh, la voiture. Ah, l'essence, ça part trop vite, sa mère. Par contre, se balader en moto, c'est halal. Après bon, le but c'était quand même d'acheter une voiture. Les SO ils peuvent avoir une voiture, non? Non, je crois que c'est des 4x4. Parce que nous on est un peu au-dessus d'un gang. Excuse-moi, chef. C'est vrai que? Tranquille. Ouais, tranquillement. Oh, non. Non, tranquillement. Et juste, hey, oh. Tu vas me donner tout ce que t'as sur toi, d'accord? Je te donne quoi? C'est la guérilla. T'as une arme blanche ou quoi? Tu me la donnes? Dans ta sacoche, là. Tu donnes? J'ai rien du tout. Tu donnes à ma meuf? Même pas d'arme blanche. T'as pas d'arme blanche? Pas d'arme blanche? Non, même pas. Vas-y, regardez un peu. Je regarde. Rien, mais prends rien. Il y a pas d'arme blanche. Je crois pas qu'il. Non, y'a rien. Vas-y, on se casse. On se casse, les gars. Mais eux derrière, les guignols. Vous êtes qui vous? Quête. T'en as pas dans la chaise. Bonsoir. Eh, toi, mon gars. Ouais. Eh, dis-moi par hasard, t'aurais pas fait l'arme. Mais non, on va sur l'autre, venez, on va sur l'autre. Mais non, j'ai pas d'arme blanche. Eh, bougez plus. Eh, bougez plus, je te mets le couteau sous la gueule, je dois. Et toi, fais un jeté brusque, je le plante, d'accord? Je peux savoir qu'est-ce que vous me voulez? Ok. Vous appelez comment, vous? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi?
Hein ? Je m'appelle Sopalin. Je m'appelle Matteo. Hein ? Je m'appelle Sopalin. Eh, Sopalin ? J'ai rien du tout. Eh, t'es une arme blanche à me donner, toi ? J'ai rien du tout, vraiment. T'as une arme blanche, il avait rien. Y'a un mec qui a envoyé des messages. T'as rien du tout, toi ? J'ai une quête d'hier à la limite. Vas-y, donne-moi. Je regarde. Là, ça, je me fais raqueter. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est un raquette, c'est un raquettage. J'ai vraiment rien. Ah, on se fait raqueter là, mais vous croyez on est des putes ? Ouais, t'es une pute, ouais. T'es une pute, t'es une grosse pute. T'es un couteau, je crois. Allo, Babel, c'est vous, quoi ? T'es où ? T'es où ? Je suis dans le nord. Non, je suis dans le sud là. Ouais. Ok, d'accord. Tu rates le bâton, c'est pas grave. Je rate quoi ? Ouais, moi, c'est une chose. Le bâton là, y'a bâton. Où ça, dans le nord ? Ouais, ouais, mais bon, le temps que tu montes, c'est pas grave, on va arriver ça. Ouais, ouais, tranquillement, nous, on raquette, on raquette des gens là. Vas-y, papa. Merci de sous 8. Argent. Ouais, mais non, on va pas tout leur prendre quand même. Vas-y, on se casse, les gars, on se casse. Fils de pute. Eh ouais, fils. Tiens ta grand-mère. Eh, mange mon doigt, toi, connard, va. Tu pute. Cours, cours, cours. Oh, y'a des flics, y'a des flics. Une queue de billard. Oh putain. Une queue de billard. Ouais. Eh, mais sortez vos couteaux et vos queues de billard quand on marque, les gars. Moi, je suis avec mon couteau, il sort une arme, on est mort. Moi, je viens d'avoir une arme. Eh, il sort une arme, on est mort, les gars. Eh, ben moi, j'ai mon couteau aussi. Ok, ok. Il s'appelle Mercedes, mon personnage. Mais c'est pour ça, faut neutraliser tout le monde avant. Putain, mais y'a personne, les gars. T'imagines, on a raqué voilà la plage, les mecs. Ah, les rues, elles sont vides. À la plage, vas-y, go à la plage, go à la plage. Au pire, Vinewood, oh, vers l'hôpital. Oh, ils bombardent. Y'a Vinewood, hôpital. Ouais. Et où l'hôpital ? La plage. La plage, vas-y, go. Eh, plage. En fait, hôpital, Vinewood. Vous savez ce qu'il faudrait trouver là ? Quoi ? Des genre. Des ? Des points où les gens, genre, tu sais, ils vont tout en vendre. Tu vois, genre, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah, mais ça, on les connaît pas. Mais ouais, justement, c'est ça qu'il faudrait trouver. Genre, voir là où il y a du monde. Il a failli faire un truc de fou. Bon, gros, plage. Il a failli faire un raccourci de malade. Voilà, mec. Alors qu'on vient d'arriver en ville. Hassoul, oui, il faudrait qu'on aille à la plage parce que peut-être qu'ils vendent là-bas de la drogue. Ah, l'essence, les gars, l'essence. Encore ah, on va en prochaine station, ouais. Eh, faudra que tu mettes, s'il te plaît, Mary. Putain, j'en peux plus. Donovan, merci pour le troisième mois, mon frère. Ah, gauche, droite. Enfin, tout droit, enfin, gauche, quoi. Attention à la babarre. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Oh, on est pour. Oh putain, où est-ce qu'on est passé? Oh. Oh putain, on a eu de la chance de ouf, les gars. Oh merde. Oh putain, vas-y, mets-moi de l'essence. Mais t'es que... Et pas dans lui, dans la moto. Je suis vraiment ta mère, hein. T'as dit quoi? J'ai dit, je suis vraiment ta mère, hein. Ma mère, elle est morte, t'es qu'une pute, ouais. T'es sérieux? Bah c'est la vérité, non? Mary, t'es qu'une pute. Vous avez pas tort. Femme de joie. Vous avez pas tort, vous avez pas tort. Père est pas pétitienne. Et toi aussi. Ouais. Eh ouais, mon travail c'est du proxénétisme. D'accord. Qu'on recommence pas à créer des relations familiales qui n'existent pas. Ok. C'est pourquoi? Parce qu'il t'aime que pour. N'oublie pas en plus, je sais ce que tu m'as dit sur toi. Hein? Ah, tu me fais du chantage? Eh ouais, c'est du chantage, ouais. Eh ouais. C'est du chantage? Eh ouais. Eh ouais, ma gueule. Eh ouais. Ouais, y'a quoi, ouais? Hein? Allez, on y va. Eh ouais, vas-y. Ok les gars, c'est parti, walk and roll, direction la plage, on va bronzer, wow. Et une arme blanche, un délire. Une arme blanche. Un couteau, ouais. Quelque chose. Ouais, un couteau, une batte, peu importe. J'ai un couteau, mais le problème pour le coup, c'est qu'il y a une... Circule, circule. Eh, donne-lui, arrête de chouiner, arrête de... Donne-lui une force. Circulez, les gars. Laisse-les. C'est ça. Attention à qui tu parles, toi, gamine. Attends, je fouille, je prends rien, par contre. Attention à qui tu parles, gamine. Et toi, là. J'ai pas entendu. Et toi, en face de moi, t'as un truc à me donner? Merci ton club. Donne-moi ton club. T'as, vas-y. T'as un joli jouet aussi. Donne-moi ce que t'as. Ouais, donne-moi. Et toi là, avec la chemise, là, donne à la meuf là ce que t'as. Moi j'ai pas d'armes. Tiens, je te le donne. T'as rien du tout. J'ai un peu d'argent. Fais lui les poches pour vérifier s'il a pas un truc, une petite clé, un truc comme ça. Hop là, oh ça fait du bien. Ah merci mec, merci. Eh ouais. Bon. Madame, elle a rien. Madame. C'est bien les gars, c'est bien, vous coopérez les gars, c'est bien. C'est bien, les gars, c'est merci. Cool, c'est cool. T'es un bon. Allez-y, on se pète à la prochaine. Bon. Ah, c'est pas ma moto, putain de merde. Vous faites partie de quel... Il a un Glock, oui, mais les gars, je peux lui prendre un Glock. Et des trous de balles, cherchez tu pas. Tu seras en temps en heure. Mais tu repartis avec ton bon joujou, là. Bah, allez. Et après, tu vois, ça va faire une escalade de violence, ma couille. Bonsoir. Eh, faites quoi, vous, ici? Parce que c'est une arme blanche, je suis en train de dire.
Eh, ma fille, redescends d'un ton, redescends d'un ton. Il faut quoi ici? Je vais pas te mentir. Honnêtement, je vais pas te mentir pour tout le reste. Je reviens, je vais pisser. Là, tu vois, là, t'es dans mon club. Et tu vois, il y a une arme. Eh, je range pas, on est chez nous, je range pas. Il a la main où ça se règle pas. Range ton couteau, Mercedes, il va ranger sous clé. La petite gueule, range ton couteau avant que je te tranche la gorge. Range ton couteau, ça va partir en couille. Je crois que tu sais pas qui on est. Ouais, mais vous êtes chez nous, les gars, là. Oui, bah c'est chez nous, il y a une raison. Voilà, tu ranges ton pétard. Il y a une raison pour qu'on est chez toi. Je pense qu'on s'est pas présenté encore, mon frère. Non, pas au cœur, je crois. T'es pas mon frère, moi. Tu rentres chez moi comme ça, t'es pas mon frère. Écoute. Déjà baisse d'un ton, ma couille, si tu veux pas que je te chicane, parce que moi je suis un homme, moi. Je vais te prendre en tête à tête, moi, mon copain. Merde. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des putains, nous. Alors écoute-moi bien. Nous, on est la famille. Attends. Mais ah ouais, c'est comme ça. Eh ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est ouais, t'es chez nous. Eh, tu veux discuter avec nous? Va devant. Va devant. On va devant, on va discuter. Attends, je vais faire quelque chose déjà d'une, t'as vu? J'ai pas envie de... Ah, vas-y, viens. Ouais, mais sortez, les gars, sortez. Eh, il va être depuis rentrer chez nous. Ce clochard, il pue de la gueule en plus. Oh, il y a plus la transpiration. Ouais, il pue de la gueule. Ouais, on va discuter tranquillement. Mais parle bien de la bouche, toi, là. Oui, je vais déterrer tes morts, tu vas voir. Tais-toi, tu vas déterrer qui va déterrer ta grand-mère. Eh, bref, c'est quoi? Tu sais qu'il y a un problème avec moi. Et c'est toi, t'as un problème avec nous. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Qu'est-ce que tu veux? Dis-nous. Eh bah, écoute, il paraît que vous venez à 15 sur un de mes fils. À 15 sur un de mes fils? Mais tu parles surtout que. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est con, quoi, les gars? Surtout que ton fils, là, je sais pas. Ah, parle-moi autrement, mon con. Ça part en couille, les gars, ça part en couille. Il se marre de quoi? Il vient chez nous, que lui? Eh, sortez pas les couteaux, hein, on va les taper avec les poils. Avec les. Il a sorti une gueule golf. Toi, va baiser, t'es mort, toi, baisse, t'es mort, toi, le président, t'es mort, là. Moi, je suis pas un paysan, t'es mort. Paysan, t'es mort, toi. Tu sors une clé de neuf, toi, t'es un homme, toi. Toi, t'es un homme, toi. Toi, t'es un homme. Connard, cassez-vous de là, ouais. Ah, putain, ma tête. Arrête de rester là comme ça, toi. Casse-toi. Comment t'es mort? Eh, recule! Esquive! La place de la femme, c'est pas là du tout! À la cuisine! Putain, bon, maintenant qu'on est tous blessés, on peut parler comme des hommes! Voilà, on peut pas. Ouais, les gars, c'est beau, calmez-vous! Ok, stop! C'est tout. Ok, là, je prends au sérieux maintenant. Là, on peut discuter maintenant. Ouais, c'est on peut discuter. Putain, maintenant. Vas-y, raconte-nous, c'est quoi le souci? C'est quoi ton problème, toi, clochard? Bon, alors, le souci, ma couille. Attends, c'est qui le clochard? Ah, pas toi. Bon, bref, c'est quoi le souci, monsieur? Eh, justement, vous avez pas de respect, c'est un truc de fou. Mais pas de respect, vous rentrez chez nous comme ça avec des clubs de golf, madame? Non, mais ok. Bon, bref, donc on sait pas parler? C'est nous qui savons parler? C'est pas grave. Écoute, ma couille, je vais t'expliquer pourquoi je suis là. C'est le papa de Philippe. Je vais t'expliquer pourquoi je suis là, ma couille. J'ai mal. On était au custom, tu vois, monter dans le nord. Mon cousin, sans faire exprès, quand il est passé à côté d'une voiture d'une femme de chez vous, il l'a percutée, elle s'est retrouvée sans essence, sans rien, elle était cassée l'auto. Ça veut dire avec mon père, on s'est arrêté, on l'a tracté avec l'argento jusqu'au garage. Bon seigneur, l'auto, on y a remis du plein dans l'auto et tout. Ouais. Et avec mon cousin, elle s'est un peu embrouillée, tu vois. Ils ont commencé à s'embrouiller, tout ça. Elle a dit, bah, je vais appeler mon père. Et ben, mon cousin, il a dit, bah, vas-y, appelle ton père, on va se la mettre, tu vois. Et donc, du coup, j'y ai dit à la femme avant de partir, j'y ai dit, ça veut dire toi, tu dis à ton père qu'il vienne, il vient tout seul avec mon cousin, ils vont se régler comme des hommes, ils vont se la mettre. Moi j'apprends quoi? Il m'appelle, il me dit oh mon Joe, ma couille, ils sont arrivés à 13 carrément, ils m'ont marave et tout. Ça veut dire je fais quoi, ma couille, moi? Moi j'ai dit tu frappes mon petit cousin à 4-5, je vais revenir avec 4-5 de mes cousins, ça fait escalade de la violence, ma couille, ça s'arrête jamais. Après je reviens avec des coups, on comprend, voilà. Pourquoi toi, ma couille, c'est ça quand tu parles? Parce que c'est comme ça. Ne coupe pas la parole, toi. C'est notre façon. J'ai pas discuté avec toi, ma chérie. Non, mais ils sont étrangers, c'est pas de leur faute. Ok, et bref, et ben nous, on est vraiment désolés, mais on n'est pas une instance sociale. Enfin, quoi, on sait pas qui c'est, nous, je veux dire. Par contre, tu vois, ça a pu culotter que. J'ai culotté, mon frère. Attends, laisse-moi terminer, tu vois. Là, j'ai écouté le mec qui était avec toi, tu vois. Il a maintenant sa voix de parler. Il parle loin, lui, hein. Si, vas-y, parle, ma couille. Tu vois, il parle plus fort, collègue. Celui avec le béret, là.
électrique derrière. Ça a grincé. Ouais. Tu vois, il chie avec sa bouche un peu. Tu il vois. A fait bouger son armoire. Ouais, ouais, et, après, ouais. Et après, il vient chialer parce qu'il se fait barrade. Mais jusqu'à là, tu vois, si tu chies. Attends. Tu chies avec ta bouche, après tu te fais barrade. C'est normal. C'est normal, je suis désolé. C'est normal. Ok, je vais te dire, pas par contre. C'est pour le deuxième mois. J'ai l'impression que vous êtes des. C'est pas des hommes, ça, mon frère. Mais c'est pas des hommes. Voilà, vous venez tous à 15, quoi. Et pour répondre à votre gonzesse là qui est en train de chialer. Vous rentrez chez nous, vous rentrez chez nous avec des clubs de gars, vous pensez qu'on va vous respecter? C'est pas comme ça le respect, mon copain, comme tu dis. Mais ma couille, moi je vais pas te respecter si tu viens à 15 pour une bagarre contre un homme. On m'entend pas peut-être des fois que quand je parle, il faut que je gueule. Vas-y, parle. Écoutez-moi les villages people de mort, écoutez-moi bien. Nous on est la famille Flores, mon frère, on est des gitans, des voyageurs, mon copain. On est ici, ici c'est terre là. C'est mes terres, mon cousin. Ici, j'ai bagarré plein de fois ma couille. On discute, y'a rien, y'a un circuit, y'a pas de pas, on discute. Tu veux. Circuit, c'est pas de on prépare un match de foot. On boit un coup. On va faire un jeu de fléchettes, mon cousin. Du coup, raconte l'histoire. Donc, je t'ai dit, t'as vu ici, les terres que t'as là. Où tu t'installes ici, mon cousin. Oui. T'as vu, moi ici, j'ai. Avec ma famille, on a fait des grandes choses ici pour que les gens nous respectent. Ok. Donc, t'as vu, aujourd'hui, maintenant, t'es là, mon frère. Y'a pas de problème, mon cousin, t'es là avec tes pétrolettes, mon frère. Mais si jamais tu veux manquer de respect aux Flores comme ça, mon cousin, à chaque fois tu vas avoir la castagne qui va tomber chez toi là. Si tu veux nous parler, ma couille, tu nous parles avec respect, on vous respectera. S'il y a du business à faire, on fera du business. Mais ce qu'on veut, nous, c'est du respect, mon cousin, ici. Eh ben tu fais pas ce que tu veux, ma couille, ici. On veut la même chose. Avec tes longues histoires, là, t'es en baratin. Le respect, il y a pas de baratin, ma couille. Déjà, tu me respectes pas en me parlant comme ça, moi. Là, tu me respectes pas. J'ai envie de t'embêter, mon cousin. Tu me respectes pas en me coupant la parole, donc tu me laisses finir, d'accord? Non, tu me parles correctement, ma couille, sinon. Regardez le culot de. Attends. Le contre votre camp. Vous dites qu'on veut la castagne, alors que c'est vous qui voulez vous taper. Hein? Nous on est des voyageurs, ma couille. On vient discuter tranquillement. Vous rentrez chez nous avec des potes, avec des gosses, et vous dites que c'est le respect. Vous c'est ça le respect. Vous rentrez chez nous avec des trucs de ouf. C'est eux qui veulent se battre. Et ils disent que c'est nous. C'est eux qui disent ça. Moi je la mets comme ça, moi. C'est des cons. Moi je l'ai mis comme ça. Parle de respect, rentre chez nous comme ça. Rentre chez nous, j'appelle mon père. Attends, il a rendez-vous ton père. Il a rendez-vous, c'est vrai. Viens me faire un mignon, ma couille. J'aime pas quand les gens sont énervés. Je suis pas énervé, mais qu'est-ce que toi. Fais-moi un mignon et après on en parle plus. Tu me fais un bisou, après on n'en parle plus, ma couille. Hey, oh là là, sans déconner, on s'est bagarré. Y a pas. Bon bah c'est tout, bah voilà. J'aurais fait un pas vers toi, tant pis. Tu fais un pas vers moi en rentrant chez moi, et après tu fais le mec énervé. Non mais ma couille, regarde là qu'on est tous les deux, Je t'ai expliqué pourquoi je suis venu chez toi, ma couille. Parce que mon cousin, il est venu, certes il s'est embrouillé avec ton père et tout, mais je pensais que ma couille, il allait se battre juste lui tout seul. Et il m'a dit, ils m'ont pris à 4-5, ma couille, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tu vois, c'est pas un comportement d'homme, ça, ma couille. Mais c'est un comportement d'homme de rentrer chez les gens comme ça et d'être culotté de dire couille, c'est nous qu'on veut la castagne. Je l'ai fait dû à ton action, ça, Et tu vois le mec avec sa chaîne en or, là? Lequel? Mon père? Ouais, ton père, ouais. Ouais. Ton père, ouais, ton gros daron, ouais. Ouais. Et ton père, il vient, il veut la castagne et après il dit que c'est moi qui veux la castagne. Mais non, ma couille, c'est mon cousin qui a voulu se bagarrer. Ouais, tranquillement, ouais. C'est mon cousin, il a voulu se bagarrer. Tranquille. Je t'ai dit, c'est dû à cette action là qu'on est venu. Maintenant, voilà, on s'est bagarré, ma couille, on se l'est donné. Premier embrouille, les gars, obligé. Mon frère, on discute maintenant, tu vois, je veux dire. Ouais. C'est pour ça, ma couille. Allez-y. Voilà, tranquillement. Ouais, tranquille. C'est quoi l'embrouille là? Y'a pas d'embrouille, c'est des fils de pute. C'est des gitans. Ils veulent nous voler la ferraille. Ils croient qu'il y a de l'eau ici à récupérer là. Ils vont se brancher ici, c'est sûr. Ils viennent là pour se brancher. Là, en fait, ils font diversion. C'est sûr, il y a un mec derrière, il veut se brancher sur notre citerne. Attends, je vais voir ça. Imagine, il y a vraiment un mec qui est en train de se brancher là. Zama, il pose son eau ici là. Non, je frappe pas les femmes, moi. Elles ont pas reçu la même éducation. C'est tout, ma couille. Oh là là. Voilà, tu vois ce que je veux dire, ma couille. C'est normal, la route, que. C'est parti un petit. Les gitans, comme vous, c'est d'origine que un peu. Nous, on est de France, mon frère. Nous, on vient d'Île-de-France, carrément de Paris. Ouais, c'est
Des gitans d'île de France. C'est un autre continent, un autre pays, tout ça quoi, qu'ici, tu vois. C'est un américain. C'est 77-27. C'est vous savez que même en France, il y a des pays en France. Une fois, je suis allé à Barbès, un truc comme ça, quoi. Ah oui. Et là-bas, tu parles toi. C'est la bouffe Barbès. Bah oui. Je suis allé à Barbès, c'est l'Afrique en France, quoi. Non. Après, j'ai pris un billet pour retourner dans le Texas, moi, directement. Vous êtes fous, quoi. C'est pas là-bas, moi. Ah non, c'est un pays pas clair, quoi. Ah non, je me dis, il est clair, mais là-bas, c'est pas très clair. Oui, il a raison. En tout cas, papa. Bon, toi, t'es pas très clair. Et on a oublié les problèmes. Vas-y, ma petite gueule d'amour. On fait comme ça, on se tient au courant demain d'eux. Avec la famille. Et moi, je suis allé assez à Saint-Denis, c'est plutôt Saint-Denis, là, vraiment, les. C'est vrai, c'est l'histoire, oui, c'est. Ah, oui, ouais, les termes là, les gars. Excuse-moi. Ouais, allo, Mercedes. Eh, papa. Tu fais quoi? Ouais, ben bah, là, je suis au club, on vient d'avoir une petite intercation avec les gitans, là. Ah ouais, ils ont cassé les burnes. Ouais, c'est bon, ça finit sur des bons termes, finalement. Okay, en fait, ils sont rentrés chez nous avec des battes de golf. Là, on arrive au club, On parle tranquillement, c'est merveilleux. Putain, les gars, comment j'ai trop hâte qu'on se développe là. Ça, les gars, ça va, ça vous plaît en vrai? Ah ouais. Il a que bossé à me dire, ouais, je vais te mettre un coup de club dans la gueule. Après, en vrai de vrai. Tout. Là, tranquillement, ouais, c'est les débuts. Ah, c'est les débuts. T'inquiète, j'ai eu trop. Là, même moi, en vrai de vrai, je suis pas satisfait à 200% parce que c'est le début. Même moi, faut que je me dise ça à moi-même. Parce que faut pas que je pète un câble et je fais un nouveau perso. Mercedes, tu vois. Ouais. En vrai, moi j'aime bien. Mercedes. Ouais, Mercedes. Ouais, les gars, ouais. Y'a ton père et ta tante devant. Ah oui. Ton cul, Mercedes, c'est ton père. Oh merde, putain, je suis dans la merde. Tiens, tu prends ta moto, on va faire un petit tour, toi et moi. Ok, je te suis. C'est un tour ou un tour remis. Un petit tour. Ok. Je vais parler. Ouais, je te baisse, t'as vu, il est mort, Mr Beast. Qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas vrai? Ah ouais? Pour de ça, les gars? On va remonter. Oui? Quoi? C'est pas bien d'inventer des morts, les gars, même si c'est une star ou je sais pas quoi, les gars, quand, rigolez pas, hein. De ça. Ouais, j'ai un truc à t'annoncer, fiston. Ouais, dis-moi, pap, moi, tranquillement, tu connais la discussion, y'a pas de galère. Déjà, apparemment, quand tu dormais, on t'aurait entendu pleurer encore le prénom de maman. Ouais, mais c'est bon. Et moi, papa, je vais te dire la vérité. Oui. Je vais le retrouver, celui qui l'a buté. Oui, tu vas retrouver l'assassin de maman, mais je te le dis tout de suite. Ce que t'as vu, l'impression d'avoir vu une veste en cuir, tout ça, c'est une hallucination de petit garçon. C'est totalement normal. C'était pas un gars habillé en cuir. C'est toi qui as halluciné, mon fils. Ok, t'as peut-être raison. J'essaie de me renseigner, je te le dis, j'essaie de me renseigner tout ça. Et si je le sais, bah c'est toi qui vas te tuer, d'accord? Ok. Mais faut éviter d'y penser à tout ça, faut que t'évites. Ouais, t'as peut-être raison. Je vois que ça te trotte et faut que t'évites. D'accord, mon petit-fils? Ouais. Mon fiston d'amour, mon Dédès. Ouais, Dédès, pas de galère. T'aimerais bien que je t'appelle comme ça, Mercedes. Ouais, Dédès, Merco, Mercedes, la pute, comme tu veux. Bon, tu viens d'être majeur et j'ai quelque chose à t'annoncer. Ouais, dis-moi, papa. Tu vas devoir te marier. Quoi? Tu vas devoir te marier. Comment ça? Ou au moins enfanter une des filles du sergent d'armes. Ce soir. Me marier? Enfin, tu vas pas te marier ce soir. Mais tu vas te marier dans les prochains jours. Là, ce soir, tu vas aller demander sa main. Comment ça? Du sergent d'armes. Attends, sergent d'armes, celui qui... Qui t'a insulté, ouais, toi, là? À qui je vais casser la gueule. Je vais péter la gueule. Donc là, je vais demander la main du fils. Du fils de. Non, mais regarde. Oh, regarde, pardon. Pep, calme-toi. Oh, pardon. Eh, calme-toi. Je te jure. Ah, pardon, je sais pas ce que je suis tendu un peu là. Pardon. Calme-toi. C'est bon. Excuse-moi. Dédès. Oui. Dédès. Oui. C'est moi. Ok. C'est papa. Ok. Je t'explique. Oui, paps. Il faut que tu deviennes un homme et que t'as un gosse. Et le mariage chez les bikers, c'est sacré. Que t'es une régulière, c'est sacré. Une régulière, tu pourras la tromper à droite à gauche, mais c'est hyper important. Faut juste que j'ai une base, mais après je peux aller débaser un peu à gauche à droite, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, je t'explique. Je vais casser la gueule du sergent d'armes ce soir. Ouais. Il va autoriser, il va être obligé de m'accepter ça. Ouais. Ensuite, ces deux filles vont monter sur la scène et tu choisiras celle que tu vas marier. Elles auront pas le choix. Je suis obligé, moi? Bah oui, t'es obligé de te marier. Qu'est-ce que tu crois?
Et moi, si je vais me marier avec une autre fille, une autre femme, une autre régulière. Mais bon, y a beaucoup de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de Mexicaines, Américaines, mais ouais, mais moi, Afro-Américaines mélangées. Mais ça trouve que enfin, je voulais... Moi, je pense à toi et je pense à la génération de derrière, d'accord? Ouais, je comprends, ouais. Donc tu vas nous faire un petit gosse. Comment tu vas l'appeler, ton gosse, ton fils? Attendez, mais... Attends, mais ça... Mais papa, ça se fait pas comme ça, un enfant! Bah oui, je sais bien. Il y aura des étapes par étapes. Ce soir, tu choisis celle que tu veux marier. Demain, t'as l'épreuve de la fauche. Ouais, mais il me faut du temps, il me faut du temps pour réfléchir. Pep. Waouh! Ouais, pardon, mais c'est bon, mais il me faut du temps aussi. Tu es un Kate. Tu es le fils de Lesnar. Tu te marieras, point. Et tu choisiras entre les deux jumelles. Et qu'est-ce que je gagne derrière, moi, tout ça? Hein? Bah, tu gagnes un gosse. Et enfin, tu seras vu comme un homme. Ouais. Oh putain. Ok, je crois savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Paps? Eh, Paps? Je crois que j'ai compris. T'as compris quoi, Paps? Non, je suis pas gay. Si. Non! Si. Non! C'est ça? Non, papa! Tu refuses? Non, il me faut juste du temps! À ton père. Il me faut. Non, papa! Eh, hey, oh! Tu me refuses un mariage? Non! Moi, je vais me battre pour que tu choisisses ta femme! Mais je suis pas gay, mais j'ai rien contre les gays, mais c'est juste que. Il me faut du temps! Non, mon fils! Mais si! T'as 21 ans, t'es un homme! Okay. T'es un homme! Ok. Mariage, c'est en plusieurs étapes! Et ça me permettra de faire quoi? Faire mes preuves, des c'est gosses. Ça? Faire des gosses! Ok, oui, non, mais. Des gosses à la famille Lesnar! Mais aux yeux du club! Aux yeux du club, tu seras vu comme un homme qui a une régulière et on respectera ta régulière. D'accord? On organisera ce mariage d'ici 2 semaines quand je lui aurai pété la gueule. Je perdrai pas ce combat, je te le promets, mon fils. Mais après, ils vont la tromper partout après. Non, mon fils. Okay. Toi, t'as le droit de tromper ta femme, mais oui. Une femme a pas le droit de tromper son homme. Ok, j'ai eu peur, ouais. D'accord, mon fils? Et tu vas me faire un beau petit-fils et je serai grand-père. D'accord? Mais faut que je réfléchisse à qui d'abord? Ça t'as tout le temps. Ok. T'auras le droit de leur poser des questions. Faire des petites suites. Demain! Demain, papa, demain! Tu lui casses la gueule ce soir. Comme ça, t'as 24 heures pour réfléchir à celle que tu veux marier. Je lui casse la gueule? Choisi... Non, moi je casse la gueule à son père. Comme ça, le père me. Ok. Bref, t'as capté? Ok. Je lui pète sa gueule. Toi, après, t'as 24 heures pour réfléchir à la fille que tu veux marier. Et j'ai déjà trouvé. Quand tu l'as mariée, oui. On commence les étapes du mariage chez les bikers. Ok. Le gosse avant ou après le mariage? On s'en branle. Ok. Et d'ailleurs, j'ai un nom pour le gosse. C'est quoi? EQAQB! Wow. Non, j'ai un nom pour le gosse. C'est quoi? Mercedes AMG. Oui. AMG. AMG? Ou classe A. Ouais, c'est pas mal ça, que papa. AMG. AMG, oh! Mais oui, Mason. Oh! T'as trouvé? Je suis pas Mason. C'est qui, Mason? T'as un autre fils, papa? Tu me caches quelque chose avec maman? C'est ça? T'as un autre fils? Non, j'ai pas d'autre fils. Ouais, j'espère. J'ai pas envie d'apprendre d'autres choses déjà. En plus de ce que j'ai appris déjà. Et maman, t'inquiète pas, elle te regarde du ciel et elle voudrait que tu te maries, je suis sûr. Ouais, t'as peut-être raison. Ok, fiston? Ouais, t'as peut-être raison. Alors maintenant, on rentre au club, on se boit une bière. Si tu veux, tu baises Mary si tu veux tirer des coups. Et voilà. Après, on a de la castagne à aller foutre. Ok. Après, rendez-vous avec le mec qui s'appelle Isaac. Isaac, ok. Rendez-vous pour les armes. Après, ensuite. On doit rentrer dans une maison. Ok. Le bordel. Ok, ça marche, let's go. Allez, on rentre au club. Wow, rock'n'roll. Ah, putain. Dades. Ouais. Dades. Ouais. Tu sais que je t'aime. Ah, je t'aime aussi, papa. Je t'aime. Alors, rien n'est prévu, les gars. Ça part en cacahuète là. Ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Mary, mais les gars, je vais pas me marier avec ma source de revenus principale. Et en plus, si je me marie avec elle, elle pourra pas me tromper. Donc, elle pourra pas faire son travail. Donc, je sais pas en vrai. Mais je vais me marier juste pour mon père, hein. Après, je m'en beurre, ça. Mr. Beast est vraiment mort. Non, attendez, c'est pas possible, les gars. C'est que j'aime beaucoup Mr. Beast, en vrai.
Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, et toi, Mercedes? Ouais. T'as des problèmes avec d'autres personnes, t'aurais pas ça tout seul. Eh non, j'ai jamais de la vie, moi. Merde, nous on veut de la castagne là. Eh jamais, mais vous. J'ai préparé une opération. Vous êtes occupés, les gars. Venir avec moi. Ouais. Ouais. Je vais préparer une opération. Le vice-président va préparer une opération. Pour le moment, vous avez votre temps libre. Fiston, tu m'organises la soirée. Attends, Prez. Ouais, Chester. Parce que là, on allait ouvrir le bar là. Ouais, bah ouvrez le bar. Allez voir sur Google. Temps libre quoi. Vas-y. Ok. Tu te maries avec toutes les meufs, comme ça tu les contrôles toutes et tu multiplies tes revenus. Oh, c'est vrai, les gars? Mais c'est vrai? Eh, Alex, elle est là, Alex? Aïe. Waouh. Non, elle est pas là. Elle est partie? Je sais pas, je l'ai pas vue. Putain, ouais. Attendez, on va regarder sur, je regarde sur internet. C'est quoi ça? Attends, un deck, je vous dépasse bizarre. Non, c'est une dinguerie, les gars, wesh. Mister Beast. Mister Beast. Sur sa page Wikipédia, on voit ça? Nanana, naissance. 24 ans. Nombre d'abonnés. Non, il n'y a pas écrit qui. Je suis choqué. Va sur Google. Là, je suis sur quoi? Là, je suis sur. Bah, je suis sur Google, là. Date de décès. 9 avril 2023. Mais c'est n'importe quoi, les gars. Mais c'est des salades, ça. J'y crois pas. Hein. Parce que je crois que tout le monde peut modifier Wikipédia, les gars. Mais les gars, tout le monde peut modifier. Hein. Là, il y a un mec qui peut créer une page Wikipédia sur moi. Il dit que je suis le fils du président, là. Moi j'ai pas eu la bande. Bah oui, je crois pas. T'as bien eu de la chance. Les gars, Ouais. Ah putain, hey, tu sais que j'ai pas vu d'arabe là ce soir. Ah ouais. J'ai pas vu d'arabe moi les gars. On en a vu plein. Ah ouais. Bah pourtant j'en ai vu des explosions dans la ville. Une voiture elle a explosé, mais je me suis cherché autour, j'ai beau chercher, mais j'ai pas trouvé le. Enfin y avait un américain, mais ça peut pas être lui, tu vois. Enfin, bah non, c'est impossible. Ça, ah, ah, oui, bah, ouais, ça peut être que un maghrébin qui fait ça, putain. Bah oui, ça peut être que ça, mais j'ai pas trouvé, moi. Culé, là. Eh, franchement, oui, c'est une petite bière. Oh, je mets une petite bière, moi. Ça arrive. Mais c'est Futulu, je sais pas quoi, là. Futululu, j'ai entendu parler sur les journaux. Ah, c'est Futulu, ah, il mange pas, c'est pour ça, ouais. Ah, Futulu, comme ils disent, Basmalou. Ça c'est de la bonne musique, ça, des gonzesses. Ouais, ben, je suis au club, je t'attends. Ouais, des bisous. Ah, mais attends, tu téléphone avec qui? Ouais, avec papa. Qu'est-ce que tu lui disais de beau? Et mais comment on organise la soirée? Putain, merde, je suis le tonton. Attendez. Je vais parler à Sherpé, à Windy. Comment on organise la soirée? On a accès à un panel pour les annonces, etc. Ouais, regarde sa story. À qui? À Mr Beast. Non, les gars, c'est pas vrai, ouais, je crois pas, moi, cette info là. Tu longes la piste d'atterrissage là, des avions là, et tu vas tout de ça tout au bout. Mr Beast. Ah, c'est bon, t'as trouvé? Ouais. Y'a rien dans sa story, y'a rien. 75 dollars. Ah, c'est 75, merde. Ouais, mais là, imagine, il fait une vidéo. Fait une vidéo Eh oui les gars, c'est faux. Je me suis fait passer pour un mort. J'ai contacté le FBI, je leur ai donné 100 millions de dollars. Starfall là. Eh, hey, dis-moi, Shrek! Enfin, il a des ses potes, ils sont des blases de ouf. Ça va, Uke? Bonsoir. Bonsoir, ouais, tranquillement. Eh, hey, Johnny, ouais, Chinel, que vous avez là. C'est quoi, y'a un nitro entre vous là? Ah, bah, c'est du nos. Ah, du nos. Léger. Ah, ouais, c'est beau ça. Eh, hey,
Dites-moi les gars, il y a une soirée dans pas longtemps là que qu'on est en train de programmer là. Si vous voulez venir, vous la mettre. Une soirée ici? Ouais, ça sera au club. Ouais. Vous verrez, on fera une petite annonce et tout, on payera la promo, etc. Nickel. Nickel ouais. Tout. Il y aura des bières, il y aura du cul, il y aura tout quoi. Ouais, il y aura tout. Tout ce qu'il faut. Ouais. On a même une meuf qui... Enfin bref. Ouais. Alors, on passera à l'occasion alors. Ouais, pas de galère, pas de galère. Pas merci à vous en tout cas. Vas-y, merci à vous les gars. Ouais. Tiens, bonne soirée. Les gars, dans 100 subs, on a les 3000. Charles là. T'as dit que? Ils étaient afro, les gars. Ils sont afro, ouais. Ouais, je... Vous voulez quoi, vous? Ouais, ouais, ils sont afro, ouais. Bah, il... Après, il fait sombre, hein. C'est du mal quoi, à comparer les deux. Parce que tu veux m'occuper pour ce qui est sous, là. Eh, t'as dit quoi? Dégage. Ah, c'est bon, il est parti. Ça va? Ouais, il est parti. La gueule. Ah, bah, d'accord. Ça, il joue bien, les motards, en vrai, non? Franchement, il joue bien. Vous ouvrez le bar là ou comment ça se passe là? Mon dieu! Un mystérieux! Wow, incroyable! Allez! Encore! Allez! Encore! Wow! Voilà oh, incroyable! Incroyable! Quel spectacle! Attention! Oh là là, putain! Ok! T'es sûr? Vas-y, Clay! La finale! Allez! Putain, je vais devoir me marier, les gars, avec quelqu'un! Première fois un personnage il se marie aussi vite. Ah mes couilles. Ah mes couilles. Oh non. Oh la couche. Pas les bijoux. Ah mes couilles. Bien joué papa, bien joué. Un coup bas. Ah, il est finito dans le game. Enlève-toi putain mais. Il est finito le mec. $100 putain. Tu t'avoues vaincu ou pas? Ouais, j'ai touché à tes couilles ouais. Fais l'annonce du bar. Y'a pas de loyauté. Bah ouais mais. Remets ton cuir, ta gonzesse te soucera. Ah ouais. T'as de la chance, ton de la chance. Ouais, je le savais, j'ai le pif pour ça, j'ai le pif. Venez tous au club. Bon, du coup, j'annonce officiellement. Tiens. Mon fils vient à côté. Comme service que tu me dois. Ça a déjà été fait ? Que tu devras bah, on va refaire. De ta fille, d'une de tes filles que mon fils choisira. Quoi ? Demain. Quoi ? Tu as. Elle. Mon fils choisira moi. Demain. Non. Entre qui et qui? Entre les deux filles de Clé. Ouais non, j'en fiche. T'as pas le choix. T'as voulu jouer, t'as perdu. C'est une parole, d'accord. Tout à l'heure, t'as parlé. Oh, bordel de... Oh, pardon. Putain. T'en veux encore, c'est ça, hein? Putain. T'avais tes conneries. Moi? Clé, viens avec nous. Le mariage des prévu, non, c'est pas prévu. Jackie, viens aussi. Quoi, y'a la baston là, vas-y, je suis chaud, je mets mes bagues. Jackie, Clé et Oh putain. Tout le monde se ramène, tout le monde. Allez, viens, mon bébé. Putain, il est 1h10, ça passe vite en vrai. Pardon, mon petit chat. Bon, je pleure, regarde. Je vais appeler Tommy, il va venir. Ça passe vite de ouf. T'as pas mis de photo avec l'annonce? Ah, mais ça a même pas annoncé. Mon fils, tu te ramènes? Ouais, je suis là. Kelly, on peut te laisser barre? Hey, Tommy, va voir la baston là, tu viens avec nous ou pas? Moi, t'as passé des gens là. Et en club. Attends, le prince, la régulière, elle vient ou pas? Le régulière, elle se ramène. Je finis mon capricène, les gars, pousse. On va fermer le bar alors. Allez, sur les week-ends. Ouais, non, les régulières. Il est passé où? Mary, c'est mieux. Allez, sur les week-ends. Allez, elle peut pas que des bacon là. Allez, là. Caprice. Hey! Tu mouilles pas devant les gitans, ok? Eh, hey, tête d'homme, moi je les encule un par un. Voilà. Je vais leur montrer moi qui je suis. Mais t'es. Ah, j'ai hâte. Ils sont venus devant chez nous, j'aime pas ça. On va aller les voir, les boys. Ouais, on va aller voir les bohémiens là. Ils sont venus devant chez nous. Est-ce que je peux monter sur ouais, les. Les beaux quoi? Je dirais, vous l'avez dit les beaux quelque chose. Qui finit par all. Oul. Putain, merde! J'arrive pas. Oh, il était flou celui-là. J'arrive pas à monter dessus. Alhamdoulilah. Ah non, faut pas dire Alhamdoulilah, je crois. OMG. Allez, on roule. Ouais! On prépare le convoi, venez. Oh, toi, tu suis toujours derrière. Ouais. D'accord, mon petit rafouillé. Arrête de m'appeler petit Razmouki. Il y a quelqu'un encore à attendre. Ouais, il y a Luffy là, je sais pas, elle est où. Bon, écoute, elle vient ou pas?
Soit bien son casque. On se décide quoi. Derrière. Comment ça derrière on a dit. Derrière quoi les gars. OMG leak l'euro de Tobias. Quoi. Album sorti, démonstration. C'est bon les gars, fini. La poubelle elle est un peu remplie je crois, vite fait. Peut-être après demain ou la semaine prochaine je la viderai inchallah. Ouais elle est un peu remplie les gars. Ah le RDV pour les armes, ouais. Tu as vu les vidéos que je t'ai envoyées sur Instagram? J'ai pas vu mon ref. Elle déborde. Album sorti, démonstration. Eh hey, les gars, après on se traîne à quel jeu pour la ZLAN? Pour de ça. Est-ce qu'on teste les nouveaux jeux? Qu'on a pas fait, genre Power faut laver des trucs. À quoi on traîne pour la ZLAN les gars? Y'a Trackmania aussi. Y'a le truc de Wash Simulator. Mais attendez, mais simulateur de lave, c'est une caisse. C'est quoi ce jeu ça? Non, il veut dire même le sud, il est pas clair. Ça te dit ça. Ce que tu veux, BG. Franchement, je sais pas, mais moi je sais pas. Waouh! Yeah! Ils m'ont poussé à la mort. Le trailer 8 sur 10, c'était le mec sur PS3. Non, c'est grave bien, ah ouais? Tu laves des maisons sales. C'est vraiment ça le jeu? On joue à ça en test? On fait ça les gars? Moi je suis chaud les gars. Attendez, clac. Album sorti, démonstration. Ah ouais, vas-y. Mais faut que je l'achète d'abord. C'est quoi le but de la ZLAN? C'est gagner 56 000 euros. Si je gagne 50 000 euros les gars, je fais un giveaway de 5 000 euros pour vous. Crochet du droit là. Ah ouais, c'est. Ça va se la mettre là les gars ou ça va discuter d'abord? Lèche. Ça risque de se la mettre. Ah mec, c'est de la gitane les gars. Ah ouais, ça va se la mettre là. Mec, ok, moi je m'échauffe. Vous envoyez la pause, on dit qu'on déclenche le code de gitan. Ah putain, au cas où ça part en steak les gars. Préparez les capotes. Parce que moi, je baisse plus sur capote depuis que j'ai de l'herpès. Eh bien dit, c'est bébé. C'est important de se protéger. Il coûte 135$ pour voir cinéma. Quoi? Ah putain. Le jeu, il coûte 130$. Yes. Quoi? Au revoir. Attendez. Power. Ah non, il coûte 20 balles. C'est carré. Et en plus, il doit être moins cher sur Game Evo. Les gars, y'a moins que quelqu'un me dise sur Game Evo, il coûte combien ça? Je mets vraiment mes mailles, hein. On va rentrer, non mais ils sont rentrés chez nous, bah nous on va chez eux. Eh, les gars, Trackmania, c'est dur ou pas à jouer? Faudrait que tu nous files le matos après. Mais ouais, bisous sur eux. Le dernier son est de rigolo. 8 balles sur Game Evo? Là, c'est carré. Je sais pas où ils sont. Ouais, c'est très dur son entraînement. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oui, si tu veux être bon. Ok. Et Minecraft. Mais Minecraft, je crois, c'est du speedrun, non? Par contre, elle est à Headback Custom. Elle joue, ça vaut le coup. Hein. Pourquoi Mary, elle est plus là? Parce qu'elle est partie dormir, je crois, chez App. C'est avec elle. Ah ouais, rouge pétant et tout, ouais. Ah ouais, c'est une dinguerie, ça, les gars. 700 000. Attends, ouais, c'est du speedrun. Mais moi, c'est du speedrun comment? C'est une vraie map que tu spawns dessus? T'as plus combien d'argent? Ah ouais. C'est une dinguerie ça. Oh ça va hein. Oh Jules. Ok. Mais les gars, peut-être qu'on va faire du react avant. Merci bien, mon frère. En vrai, parce que je viens de réfléchir, comme j'ai pas live pendant 3 jours, il y a dû avoir du react à la mort. Il y a un CKR et ma gueule. Il y en a deux. Il y a deux CKR et ma gueule. Il y a ton plus gros défaut de cru. Vous vous souvenez de eux ou pas là? Ouais vas-y go faire ça. Eux là. Eux cru là. Vas-y, ouais, regarde ça. Je sais pas, j'ai essayé de le mettre, il y avait un truc de MS dessus. Vas-y, on fait la scène là après, peut-être on va déco, je pense. On va voir. Ça dépend. Et ouais, le début, les gars, je crois que je vais passer mon compte FVM à un petit cousin qui il va farm pour faire de l'argent. Ouais, ils sont peut-être pas là après. T'as vu la vidéo de Michou? Eh non, mais j'ai vu la vidéo d'Inoxtag, vous l'avez vu ou pas, les gars, avec les zombies et tout? Mais wesh, c'est une singerie, les gars, wesh. Vous avez vu la vidéo d'Inoxtag? Avec les zombies? Boah là 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 là.
J'ai regardé de A à Z. Elle dure 2 heures, mais j'ai regardé de A à Z. J'ai pris 2 heures de mon temps. Ah non, je l'ai regardé en 2 temps, en 2 fois. Mais bref, mais quand même, c'est une dinguerie. Au club, je crois. Genre, carrément, le fait que je regarde en 2 fois, c'est que c'est une dinguerie. Le fait que je me souvienne de me dire que. Ah putain, faut que je la finisse. On a inversé. Ah ouais, ouais, c'est tombé. Allez, remonte, bide à bière. Non, on y repassera plus tard. Tu rejoues avant-garde comme ce bâton? Non. Ah, mais attendez. Eh, moi, tu peux t'écouter. Ouais, t'inquiète, ça va? Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ouais, ça te plaît ou quoi? Tu laisses ma coupe enculée. Je mets ma main sur sa cuisse. Ça va, ça te plaît? Ouais, ça va. Hein. Ok. Là, c'est que le début. Demain, on va faire un attentat au gouvernement. Ah ouais, carrément. Ouais, je rigole. Ah ouais, tu m'as fait peur. Non, je rigole pas. Bah alors, tu rigoles putain. Ou tu rigoles pas? Oh merde, elle est lourde la moto. Ah, fais bien après. Et tu sais du combien au pied, toi? Au pied? Ouais, tu sais du combien au pied, ouais. J'en sais rien. J'ai mis des chaussures au hasard. Non mais environ, dis-moi une tranche. 42. Ah ouais, tu suces du 42, c'est énorme. Je sais pas comment tu fais, hein. C'est trop. Elle a pas entendu. Pour une femme. Ouais. Elle dit, non, enfin c'est, ça doit faire mal un peu, non? Bon, ça va, ça dépend dans quel sens tu le chausses. Ah non, j'ai dit, tu suces du combien? Je suce du combien? T'as dit quoi? Je te comprends pas, mais t'es bizarre toi, hein. Attends, je veux dire mon père, c'est bizarre, je veux plus te parler. Mais non, mais n'importe quoi, mais du 42, tu dois tirer des sacrés pénaltys, toi. Ouais. Ah ouais? Et t'en mets des coups francs, non? Ah ouais, je remets des coups francs. C'est qui ton meilleur joueur? Je sais rien, moi, tu me poses des questions, t'es bizarre. Moi, je veux plus parler avec toi, t'es trop bizarre. Ouais, allez. Oh, t'es aigri, toi, t'es aigri. Ouais, t'es... bah c'est. T'es aigri, hein. Je vais voir mon père. Papa! Tu me suis la bite? Oui, c'est bizarre non, parce que. Ça m'intéresse pas. Il m'a demandé combien je suçais. Tu vois? Non! Mais... Je lui ai dit, tu choses du combien, je lui ai dit en gros. T'as de la chance que maintenant. J'ai perdu un pari avec ton père. T'as de la chance, petit merdé, que je vais rien faire. T'as vraiment de la chance que ce genre, je Eh, la police, il a un point américain, arrêtez-le de regarder, il a rien blanc. J'ai un point américain, et alors on est en Amérique, connard, bien sûr que mon point vient d'Amérique. Ouais. Un point américain, un vrai américain, c'est ce qu'on aime. Eh, c'est vrai, c'est. Qu'est-ce qu'ils veulent, les flics? Ils veulent qu'on la mette? Ils veulent qu'on la mette dans votre cul, comme ça, pam, dans le cul, Greg. Hein? Comme ça? Comme ça. Il est bizarre, hein, lui. Oui, Luc, ça va, les flics? Oui, ça va. Bah, allez, contrôlez-moi, allez-y. Non. Regardez, moi je suis 100% américain. Mais t'es complètement gerbé, toi, hein. Américain. Mercedes, tu t'appelles. Ouais, Mercedes. Bon, du coup, il y avait quoi, après? Ok. Quoi que bé. Là, il y a un petit problème dans le garage. Allez voir dans les patchs. Bon, tu veux te prendre une meuf dans le bagouin, toi? Non, pardon, excuse-moi. Au revoir. J'ai jamais ce genre de blague. Il y a un problème, papa? Venez, les gars, il y a un problème de bécane dans le garage, venez voir. Ah merde. Oh, ça, il y a un problème dans le garage. Un problème de bécane. T'arrêtes avec Tuk Tuk, toi, c'est pas marrant, Tuk Tuk. Les gars, laissez le prospect s'en occuper, ça te défoulera un peu. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Laisse le prospect s'en occuper. Titanos, vas-y. T'as rien à faire ici. Ah, c'est le Mexicain tout à l'heure. Attends. Président, on avait déjà depuis. Attends, je reviens. Mais non, mais. Ils vont m'enculer. Bon, donc, Rio, là, ouais. Ça sent le guacamole, Moi, les prospects, enculez-le là. Je lui envoie là. Putain, merde. Toi, t'es là, tu nous insultais, toi. Pardon, que. Il est où, you? Bah, il est pas où? Ouais, il est là. T'as voulu te cacher, toi, connard? Tiens, connard. Tiens, connard. Bah, pour mon père, moi. Moi, pour mon père, je le fais, moi. Moi, c'est pour mon père que je fais ça, moi. Pour mon père. Moi, c'est pour mon père. Oh merde. T'inquiète. Il est pas tombé. T'as vu, papa? Papa, t'as vu? T'as vu, papa? C'est pour toi, papa. C'est pour toi. C'est pour toi. Cochard, va aller. Mettez-le à la flotte, il retourne dans son pays. Allez à la flotte. Pas de visa, tu rentres chez toi. Allez, les gars, dégagez-le-moi là. Allez, à la flotte. Il est où? Sur le trottoir, enfoiré. Part d'où ça vient? Pas dans la flotte.
Attends, what? Oh, le rire forcé. Bah là-bas, tu nages tout droit. Putain. Tu sais quoi cette fois? T'auras pas de bateau. Allez, allez, cure, cure. Allez, cure. T'as dit cure. Allez, cure. Rentre chez toi. Allez, rentre chez toi, les nains. C'est de l'autre côté. Oui, bah non, c'est pas grave. Allez, va au Mexique. Allez, le sud, là, tu vas nager vers le nord. Eh, tu passeras. Tu passeras le bonjour. Passeras le salam aux Arabes qui essaient de nous rejoindre aussi. Allez, casse-toi. Avance, connard. Avance, attends, avant de partir. J'enlève au moins mes chaussures. Avant de partir, vas-y, c'est des grands d'art. Allez, Barbie, attends, attends. Avant de partir, c'est qui tes grands? Mes grands, c'est du barrio de Los Vagos, hijo de puta. C'est quoi ça? Quoi? Yes! On va faire une guerre avec les Vagos! Il parle le guacamole, presque. En gros, oh, c'est beau! Ta mère. Ouais. C'est une putain. Quoi? Quelqu'un comprend ce qu'il dit là? Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Vas-y, redulé, je t'égorge. Putain, je sais plus ce que ça veut dire. Moi, t'as parlé au président. Vas-y, porte tes couilles, vas-y. Redulé, je t'égorge, vas-y. Vas-y. Alors, tu perds tes couilles. Ta mère, c'est une putain, fils de pute. Alors lui, on l'a. Je le plante. Eh, papa, je le plante, t'inquiète. Fume-le. Reviens-le. Je le plante même dans l'eau, moi. Attrape-le. Attends, poussez-vous, je le prends. Pardon. Hermano, je le pensais pas. Je le pensais pas. On va le mettre au poteau. Neige. J'ai du fil sur moi. Hop là. Je t'attache. Hop là, je t'attache. Il a insulté la mère du président. Il est mort. Il est mort. Je sais pas s'il va être mort, mais je pense qu'il va être mort bien skin. Celui-là, vous allez bien m'attacher. Bon, t'as une dernière parole à dire? Non, mais tu vas pas me tuer quand même. Il n'a qu'une parole, mon papa. T'as fait ton choix. Non, pardon. Ta gueule. Merci tout pour le quatrième mois, merci, mon gars. Si, mais je suis désolé. Car sans vous, la TV, vous êtes les meilleurs, les gars. Car sans vous, les gars, vous êtes les meilleurs. Ouvert ta gueule. Vous allez pas enlever une vie comme ça. Vous êtes les meilleurs. Ça, les gars, vous êtes les meilleurs. Pour de ça. Plus un doigt. Attendez, mais vous me raquez. Oh merde. Dégagez du. Oh merde. Non, ça va, j'ai coupé un moustique, c'est ça le bruit qui a fait. Non, s'il vous plaît. Allez, lève-toi. Après, tu sais ce que j'en pense. Lève-toi. Lève-toi. Je te demande pardon. Non, y'a pas de pardon. Lève-toi. Ouais. Voilà. Allez, jetez le corps à la mer. Putain. Et redé poutet, comme tu dis. Parle mal à mon père comme ça, lui. Jetez-moi le corps à la mer. Putain, j'aurais voulu lui pisser dessus. Alors, ça, tu vois, là, ça me fait bander. Allez, on bouge. Derrière, ils sont où? Oh, les prospects, les couteaux que vous avez. Eh, papa, t'es le meilleur. Pas moi, j'ai une clé anglaise pour ceux qui veulent. Quelqu'un veut? Ouais, moi je veux bien. Ah bah, moi j'ai une hachette pour celui qui veut. Tiens, j'ai dit, j'en ai donné un au sergent. Et on presse. Deux couteaux. Eh ouais, en tout là on a volé 4. Ah non, j'ai deux hachettes. Qui c'est qui veut une hachette? Bah moi je veux bien une hachette. Putain les gars, wallah, je voulais que je vous dise ce qui se passe dans ma tête là depuis une heure. Pour de ça, les gars, j'ai envie de détruire un burger là, wallah, que c'est une dinguerie les gars. Subhanallah, genre. Wallah que la tête de Rome les gars, j'ai envie de croquer dans un burger depuis une heure. Je vous jure, je vais péter un câble. Wallah il a adem les gars, j'ai envie de croquer dedans avec les frites là. Oh c'est une dinguerie. Ça me démange depuis tout à l'heure, je suis en train de me frotter les pieds là, je. Putain c'est. Merci Arix pour le 9e mois. Merci mon frère. Dans votre barbe, vous. Venez pour la soirée. Viens boire une bière. Allez, viens, on va se casser la gueule. C'est bon délire, il est bon délire, je l'aime bien. Salut. Viens. Ah ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu veux une petite bière? Tu veux te mettre bien? Bon, salut tout le monde. Salut les gars. Avec moi en dessous. Salut les gars. C'est bon que. Salut. Ouais, ça va. Mais je crois que c'est du son de Paito. Oh, salut Vicky. Et Léonil? Eh, c'est bon que. Ça joue avec au billard? Il est bien balèze celui-là. Attends, tu sais jouer au billard toi? Comment tu t'appelles déjà là? Moi c'est Merco. Merco, tu sais jouer au billard? Ouais, je sais jouer, ouais. Je te laisse jouer avec le monsieur parce que moi je sais pas jouer et le pauvre il va pas faire prendre plaisir. T'inquiète, garde ta queue, j'ai la mienne. Ouais, mais elle est peut-être pas assez longue. Oh, t'inquiète pas que. Un train peut en cacher un autre, comme on dit. D'accord, ok, bon, écoute. Vas-y, je joue. Vas-y, passe-moi la queue. Bah, tiens. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Gasuel, je peux vous nettoyer les queues. Hein. Regarde, je suis là pour ça. Je vous astique, hein. Moi je suis chaud. Je suis là pour ça. Ah, mais c'est là les queues. Voilà, c'est là. Vas-y, remets-moi du bleu sur la queue. Tu veux que je t'astique la queue? Oui, je veux du bleu sur ma queue. Eh, vieux schnock, viens, je t'allume. Mais je suis pas vieux, fille de teinture. Oui, bon. Regarde, tu vois le trou là-bas là? Ça, c'est comme ton cul là, tu vois? Bah oui, c'est vrai, il est aussi gros. Je t'arrache le cul comme ça. BAM! Raté.
Ouais, ouais. Tu vises comme ça quand tu bises et t'arrêtes. Ouais, vas-y. Mais moi je joue les noirs, moi faut les exclure ceux-là. T'as mis la rouge, t'as mis la plaie. À 5 heures à moi de jouer, ouais. Les jaunes aussi, les jaunes, tu peux y aller, les jaunes. Non, moi c'est surtout la boule noire que je veux faire virer. Bam! Attends, hop là! Moi aussi je vais virer les noirs. Regarde, attends, bouge pas, je le fais. Je m'en occupe. Et regarde, tu vois le petit. Voilà, je peux dire, tu vois le petit quelque chose. Vas-y, vire la noire. Vire la noire. Attention, les gars, ça va rentrer. Et BAM! Oh merde! Ah merde! Oh putain! Putain, ils sont durs, ils sont durs. Oh, j'ai mis une plaine de. C'est encore à toi. Mais carrément, d'accord. Putain, t'es fort malgré toi. Ouais, je suis fort malgré moi, ouais. Hop! BAM! Ah, j'ai mis la rouge, la plaine. Rien mis du tout, voilà. Je joue tout seul. Là, le groupe, faut le disperser, tu vois, je t'apprends un peu les règles du jeu. Ça faut le disperser. Hein, non, hop là, nickel, j'ai mis la jaune. Tu l'as vu ou pas la jaune que j'ai mise toujours, tu l'as vu ou pas, tu l'as vu Ouais, faut toujours disperser les il jaunes. Il a dit oui, j'ai rien mis du tout. Ah oui, hop. Attention. Toujours disperser. Qui, moi, ah, oui. Attention. Moi, je suis... Bah oui. BAM. Depuis tout à l'heure, bon, jeu FF, je FF. Moi aussi, j'ai FF 15. Moi, je pose, allez, c'est bon. Casse. Ouais, les gars. Ça va, toi, mon gars. Ah, tranquillement, vous voulez consommer, là, un peu ? Bien sûr. Venez. Ma tournée pour moi, allez, vas-y, tente, vas-y. Y'a ma gonzesse. Eh, tu peux les mettre bien, s'il te plaît ? Eh, je te laisse me les donner, je suis le gérant d'ici. Après, je redistribue. Attends, on cherchait ce truc. Ah, mais y'a un distributeur. Non, bah non, t'as vu, parce qu'il faut que je fasse des commandes. Donc, si on veut faire tourner le bar, il va falloir que je refasse une grosse commande, là. Ah ouais ? Ouais, de ouf. Tu penses qu'on réinvestit tout là les 3000 dans. Ouais. Une commande, ouais, vas-y, t'arrêtes. Ah, mais ça va, ma future femme. Et y a Berko aussi. Pardon. Écoute, ah, demain les gars, y'a un best-of qui sort à 18h sur ma chaîne. Faites tourner l'info sur TikTok et tout. C'est bien beau de mettre des clips, hein. Mais mettez ce clip. S'il vous plaît, les gars, fils et Billy, allez regarder ma vidéo qui sort demain à 18h, c'est-à-dire mercredi. Un best-of, vous allez rigoler. Si vous rigolez pas, vous êtes remboursé de 5 euros. Voilà. Merde, donc vous êtes obligé de rigoler. Donc ça va être demain à 18h. Ouais, attends. Ouais. Du coup, parce que je peux pas faire de facture et c'est la misère. Ah, je peux faire, tu peux faire une facture. Tu peux faire une facture toi ? Non. Mais non. Ah, je peux pas. Mais de quoi ? C'est la misère. Ouais, c'est la merde. Les gars, en déco, on va faire du react en vrai ? Ouais, je vais aller dormir. Demain, on fait le rendez-vous. Tu vas dormir ? Ouais, je pense, oui. Demain, t'as ton épreuve avec tous les prospects. L'épreuve de la fauche. Demain déjà ? C'est quoi ce bordel ça ? Tu réfléchis à la femme que tu veux choisir. Ok. Après, on commencera les étapes pour le mariage. Ok. Travaille un petit peu ton business sur les. Et ne nous déçois pas. Eh, je vous décevrai. Demain, il faut des épaules très fortes. Vous décevrez pas, vous inquiétez pas. Regarde-moi, j'étais à l'œil. Ouais, tu peux m'avoir à l'œil, t'inquiète pas. J'étais à l'œil, parce que j'ai qu'un œil. Allez, va dormir, mon petit. Ah oui, j'ai garmatozoïde. Hein ? T'as dit que, papa ? Va dormir, mon petit bébé. Ah, j'écoute, t'avais du mon petit spermatozoïde vivant. J'ai. Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, allez, les gars, ouais. Eh, rock'n'roll. Dégueulasse, bah. Ouais, vas-y, les gars, on va déco, on va faire du react. D'ailleurs, vous en avez pensé quoi, les gars, de ce personnage là, cette petite soirée ?